Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un très grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Louvre, en espérant vous retrouver bientôt en vrai au sein de l'Auditorium du Louvre et dans les galeries du Musée du Louvre. Évidemment, comme vous tous, j'en forme le vœu très cher. Mais je suis très heureuse, malgré tout, de pouvoir vous accueillir virtuellement pour cette magnifique journée d'études, ce magnifique première journée de colloque qui est dédiée à l'exposition Le corps et l'âme, qui est installée au Musée du Louvre et qui, je l'espère, réouvrira très bientôt. Là aussi, c'est un vœu très cher que je forme à nouveau. Ma joie est très profonde d'avoir réussi à monter ce projet malgré la situation sanitaire qui nous oblige à beaucoup d'agilité et d'acrobatie. Et je veux tout de suite en remercier l'ensemble de l'équipe qui s'est prêtée au jeu au sein de l'auditorium et notamment l'ensemble de la régie sous l'autorité de Gérard Parus et puis la coordination scientifique remarquable de Monica Préti et l'accompagnement de Valentine Brosset. Ça a été vraiment un enjeu vraiment important de pouvoir monter ce projet. L'exposition Le corps et l'âme est une exposition exceptionnelle, absolument remarquable. Une exposition qui, vous le verrez à nouveau bientôt, est vraiment une exposition qui met au plus haut à la fois la connaissance scientifique, mais aussi cette magnifique plaisir de déambulation au sein des galeries grâce à une scénographie remarquable. Et je veux vraiment saluer avec à la fois beaucoup de chaleur, mais d'estime et d'admiration les commissaires. Marc Borman, conservateur général au département des sculptures, qui bientôt vous fera une première introduction à cette première journée de colloque. Beatrice Strozzi et Francesca Tasso, qui ont vraiment fait un travail absolument remarquable et qui, je crois, fait date à la fois dans l'histoire de la pensée, mais aussi dans l'histoire de la muséographie et de la médiation, puisqu'il y a un travail très attentif pour la compréhension des publics. Cette exposition, elle a été possible grâce au talent des trois commissaires, évidemment, grâce au talent aussi de tous ceux qui les ont accompagnés, notamment les deux scénographes architectes, Michel-Antoine Pietri et Juan Alarson. Mais elle est aussi et surtout possible grâce à un partenariat d'une qualité humaine et académique très rare avec le Castello Sforzesco à Milan. Sans nos collègues et amis, de Milan, jamais ce projet n'aurait été possible. Et je veux vraiment aujourd'hui, alors que certainement ils nous écoutent de l'autre côté à Milan, remercier infiniment son directeur Claudio Salsi. Sans vous Claudio, sans Francesca, rien n'aurait été possible et je voulais le dire. Rien n'aurait été possible non plus, et Marc Borman le rappellera certainement, sans les prêteurs qui on fait plus que jouer le jeu. On fait plus que nous prêter des œuvres remarquables, mais on aussi accepté que ces prêts soient reportés pour que, nous l'espérons, l'exposition puisse bientôt rouvrir quand le Musée du Louvre sera autorisé à rouvrir. Donc ça, vraiment, je crois que ces remerciements sont plus que jamais sincères et les plus chaleureux possibles. Je le rappelais tout à l'heure, ce n'est possible aussi grâce à l'engagement de tous au Louvre. Vous le savez, le Louvre est fermé au public, mais il n'est loin d'être fermé. Il est très ouvert sur le monde. Peut-être jamais autant l'ensemble des collaborateurs du Louvre, et notamment au sein de ma direction de la programmation culturelle, n'ont voulu être ouverts sur le monde. Et les projets que nous entreprenons, que ce soit la refonte du site internet qui permet de diffuser tous ces projets, mais aussi les programmes et les programmes culturels n'ont jamais été aussi importants, aussi nombreux. Et donc vraiment, un très grand merci à tous. C'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel pour nous de pouvoir ainsi continuer d'être en lien avec vous. Alors, l'introduction scientifique, bien sûr, sera faite avec talent par Marc Borman et par Monica Préti. Je voulais saluer Monica, qui travaille au Louvre depuis longtemps et dont c'est aujourd'hui la dernière intervention, parce qu'elle part vers de nouveaux horizons italiens. Et je sais qu'elle en est très heureuse et nous en sommes très heureux pour elle. Mais je voulais tout particulièrement te remercier, Monica, pour ce que tu as accompli, notamment pour ce projet, mais bien au-delà, pendant de nombreuses années au Louvre.
L'exposition, elle s'inscrit dans une pensée qui est une pensée, comme le colloque d'aujourd'hui, dans une pensée qui est une pensée évidemment historique et humaniste, hein, qui se met en œuvre et se développe au moment de la Renaissance, mais qui fait écho aujourd'hui avec des enjeux d'aujourd'hui sur cet enjeu à la fois de la représentation des corps et de la représentation des émotions. Cette première journée de colloque sera suivie par une deuxième journée de colloque qui aura lieu à Milan, à une date qui sera bien sûr précisée très vite en fonction des événements. Ce qui est absolument passionnant dans ce projet, c'est à la fois cet élément très fort d'intelligence, de la réflexion à la fois esthétique, mais aussi plus profondément humaniste et philosophique, et son rapport aussi à aujourd'hui, puisque ce questionnement du corps et de l'âme, de leur représentation, de la manière dont ils jouent l'un et l'autre, ou pas, ou bien, ou moins bien, ensemble, est évidemment au cœur de notre pensée d'aujourd'hui. Et je crois que c'est aussi un des éléments très forts de montrer que la connaissance, que la valorisation de la pensée ancienne, que la valorisation des œuvres anciennes est quelque chose qui résonne et qui résonne aujourd'hui. Le musée est un lieu vivant, les projets que nous portons sont des projets vivants et c'est un point essentiel à porter. Nous sommes des lieux qui parlons aussi d'aujourd'hui et vraiment des lieux qui parlons d'aujourd'hui et qui parlons d'aujourd'hui à tous. Pour conclure, et c'est vrai que ça a été la possibilité de mettre en œuvre, malgré la complexité du moment, une programmation de qualité, puisque bien sûr, parler de l'âme et du corps, ça permet d'induire un rapport au théâtre, à la danse, à la musique, qui seront évoqués aujourd'hui, mais qui le sont aussi dans l'exposition et dans l'ensemble de la programmation. Nous espérons ainsi, un tout petit peu après la fin de cette exposition, au mois de juillet, si encore une fois le musée est ouvert, mais nous l'espérons, pouvoir accueillir une grande compagnie de danse, la compagnie de la Batsheva, avec ce rapport aussi au corps et à l'âme, et cette représentation subtile entre les mouvements du corps et les mouvements de l'âme. Voilà un très beau projet, un très beau colloque aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être présent avec nous. Merci infiniment de votre fidélité au Musée du Louvre et un très très grand merci à tous ceux qui ont porté la journée d'aujourd'hui. Cher Marc, chère Monica, c'est à vous et vraiment un très très grand merci pour ce que vous avez entrepris. Merci infiniment. Bonjour, je voulais vous remercier d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée consacrée au corps et l'âme. Je remercie de nouveau, bien évidemment, également Dominique, et je prends la suite de tout ce qu'elle a dit concernant la générosité de l'ensemble des gens qui permettent à cette journée d'avoir lieu et qui permettent également à l'exposition d'avoir pu se monter et d'avoir pu être prolongé autant que faire se peut, en espérant, comme Dominique de Fongreau vient de le rappeler, une réouverture que nous souhaitons la plus proche possible. Alors, le corps et l'âme, c'est donc une exposition qui prend la suite d'une autre exposition qui avait eu lieu en 2013 à Paris au Musée du Louvre et à Florence au Palazzo Strozzi, et qui portait sur la naissance de la Renaissance, comment la sculpture avait été, avec sans doute l'architecture, l'un des arts majeurs, moteurs du nouveau style. Et donc, on avait eu
la chance de pouvoir présenter un certain nombre de grands chefs-d'œuvre au musée du Louvre, de la sculpture florentine de ces très grands artistes qui étaient Luca della Robbia, Donatello, Lorenzo Ghiberti, etc., etc. Donc, première période de 1400 à 1460. Et donc, à la suite de cette première expérience, avec ma collègue de Florence, Béatrice Paletti-Strozzi, et bientôt rejoint par Francesca Tasso, directrice des collections du Castello Sforzesco, nous avons pensé à un second épisode de cette grande histoire. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette exposition, Le corps et l'âme, la sculpture en Italie de 1460 à 1520, parce qu'on prend bien sûr la suite sur le plan chronologique, ça ne posait pas vraiment de problème, de discussion. Six décennies pour la première exposition, six décennies pour la suivante, mais un monde qui avait changé, une Italie qui avait changé, et donc ça voulait dire sur le plan géographique, une toute autre appréhension des choses, et c'est ainsi que on ne s'est plus concentré uniquement sur Florence, mais sur toute la diffusion de ce nouvel art de la Renaissance, qui se diffuse dans l'Italie, et on a principalement mis l'accent là sur l'Italie du centre et l'Italie du nord, bien sûr Florence, mais également d'autres villes toscanes comme Sienne, l'Émilie avec Bologne, la Vénétie avec Venise et Padoue, la Lombardie avec Milan, Pavie ou Crémone, et sur la fin de l'exposition en particulier, un accent particulier mis sur Rome avec véritablement la mise en place de ce classicisme qui ensuite sera un élément majeur de la création artistique et ce quasiment jusqu'au XIXe siècle. Alors, l'idée, voilà, là on a un peu l'introduction dans les espaces du musée, et donc l'idée c'était de remettre au centre, bien sûr, de mettre l'accent sur la sculpture dans ces différents matériaux, montrer la variété du travail de ces artistes dans le marbre, la pierre, le bronze, le bois polychromé, la terre cuite polychromée ou émaillée, et montrer la richesse et la diversité de cette période complexe sur le plan artistique, ce qu'André Chastel, l'un de nos plus grands historiens d'art de la période, avait appelé le grand atelier, et montrer comment ce nouveau style se diffuse effectivement et va arriver à maturité dans les différentes régions, et chaque région, effectivement, mettant l'accent en fonction de ses traditions propres, créant un nouveau langage particulier, avec bien évidemment des sources qui sont celles de l'Antiquité classique, avec ce travail sur le corps humain, sur les canons hérités de l'Antiquité. Et c'est ainsi que on a appelé l'exposition « Le corps et l'âme », parce qu'effectivement, la figure humaine, l'être humain, comme l'avait déjà montré dans la seconde moitié du XIXe siècle le grand historien suisse Jakob Burckhardt, c'est l'homme qui est véritablement remis au centre du monde. L'homme avec la représentation physique, son corps en mouvement, c'est ce qu'on voit par exemple ici dans cette salle d'introduction de l'exposition, de la première section, qui s'intitule « En regardant les antiques, la fureur et la grâce ». On est accueilli par un Orphée de Bertoldo di Giovanni, et juste derrière, ce qu'on peut voir en gros plan, cette superbe œuvre du Musée national du Bargello d'Antonio Pollaiolo, « Hercule et Anté », qui montre bien cette force, cette vivacité, cette volonté de représenter le corps en mouvement, mais pas seulement le corps sur le plan physique, également l'accent mis sur le caractère moral. Comment les artistes vont traiter les expressions des passions, les expressions des sentiments, la force, et ici la fureur et la grâce. Avec tout un côté profane,
hein, l'homme profane, qu'on va voir à travers des batailles, les héros et les héroïnes de la mythologie, la représentation de la force, de la douleur, de la grâce, mais également l'homme sacré, hein, sachant que la religion joue toujours un rôle majeur, bien évidemment, dans la société occidentale italienne de ce 15e siècle et de ce début du 16e siècle, avec tout cet intérêt sur la représentation de l'extase mystique, de la douleur que l'on voit dans la représentation des scènes des passions. Et ici, vous avez la présentation de la première salle de la seconde section de l'exposition, intitulée « L'art sacré pour émouvoir et convaincre hein, », où on est accueilli par la grande crucifixion, le grand relief en bronze de Donatello, et en gros plan, là, juste pour vous redonner une image d'un des grands chefs-d'œuvre de l'exposition, prêté là aussi avec une extrême générosité par nos collègues du Victoria and Albert Museum de Londres, hein, qui est également avec le Bargello l'un des grands prêteurs de l'exposition, hein, cet extraordinaire relief représentant la déploration du Christ en bronze, qui montre bien ce paroxysme donné par Donatello dans l'expression des sentiments. D'autres exemples de cette section avec quelques grandes sculptures en bois polychromé, d'une part des œuvres d'Edel Maino, cette grande déploration du Christ avec ses figures grandeur nature en bois polychromé, qui montre bien là également tout le travail fait en Italie du Nord, très particulier sur cette représentation d'un véritable théâtre des sentiments, dont on parlera, je crois, tout à l'heure dans la journée, hein, avec plusieurs interventions, et en confrontation à droite, ce très beau Saint Jean-Baptiste, toscan, lui, hein, des grands chefs-d'œuvre de Francesco di Giorgio Martini, venant du musée de la cathédrale de Sienne. La troisième section de l'exposition hein, s'intitule « De Dionysos à Apollon » et là, on a, à la fin du XVe siècle, un retour vers un art peut-être plus apaisé, plus doux, hein, des sentiments plus calmes, hein, et c'est ce qu'on voit bien là, dans cette grande perspective, superbement mise en scène, Dominique de Fonréau le rappelait, par nos deux architectes du musée, Michel-Antoine Pietri et Juan Alarcón. Voilà. Hein. Et donc, cette grande perspective qui commence par un ou deux chefs-d'œuvre de Andrea Dalla Robbia, hein, ce grand artiste florentin, ce maître de la terre cuite émaillée, qui est capable de nous rendre effectivement tous ces sentiments hein, liés à l'expression du corps du Christ. Mais également, le caractère profane hein, qu'on trouve plus à Venise, hein, et on a la chance de pouvoir présenter également hein, plusieurs de ces reliefs prévus pour ces cabinets d'amateurs, ces studioli, avec ici, hein, d'une part, une œuvre de Gian Maria Mosca, Le jugement de Salomon, conservée au musée du Louvre, et d'autre part, une œuvre d'un de ces autres grands artistes vénitiens, qui est Minello, hein, la représentation de Pan et Luna, avec ce superbe nu féminin. Hein, en relief, sachant que donc on est toujours sur cette polarité sacrée-profane qui véritablement marque toute la période. Et quatrième et dernière section de l'exposition, et là on part effectivement de Florence et de Venise pour arriver à Rome, hein, véritablement Rome qui devient à l'époque des grands papes comme Jules II, le centre du monde. Et c'est pour ça que l'ensemble de cette section est véritablement mise en scène autour des deux grands chefs-d'œuvre de Michel-Ange conservés au musée du Louvre hein, depuis leur arrivée en France à l'époque de François Ier, donc des œuvres qui sont hein, en France depuis six siècles pratiquement. Ils sont arrivés en 1541, et la chance de pouvoir confronter effectivement quelques grands chefs-d'œuvre de Michel-Ange dans le domaine de la sculpture ou du dessin, avec d'autres
élèves d'autres régions, en particulier de nouveau de la Lombardie. Ce qu'on voit sur la droite avec cette extraordinaire figure à l'antique de justice, mais créée par Bambaia, qui est un magnifique sculpteur milanais du début du XVIe siècle. L'exposition étant là également pour montrer qu'à côté de Donatello et Michel-Ange, donc nos grands génies, eh bien, il y a eu durant cette période un nombre extraordinaire de grands créateurs dans le domaine de la sculpture. J'ai rappelé quelques noms tout à l'heure, Francesco Di Giorgio Martini, mais également, j'en ai pas montré d'œuvre là, Guido Mazzoni ou Riccio à Padoue. Donc, véritablement, un creuset où les sculpteurs ont joué une place majeure dans la création pour arriver à ce nouveau classicisme qui va mener vers ce qu'on appelle la manière moderne. Voilà. Donc, la sculpture au centre, mais comme vous le voyez, vous l'avez pu le voir dans certaines vues de salle, la sculpture mise en confrontation, mise en parallèle, bien montrer les liens avec les autres arts, que ce soit la peinture, le dessin, les estampes, l'orfèvrerie. Et tout le sujet aujourd'hui est donc, dans le cadre du colloque, de montrer comment ces sujets, effectivement, ont été retravaillés, repensés dans un cadre où le théâtre, la musique, la danse jouent un rôle particulier. Tous ces arts s'entremêlent, jouent ensemble, et c'est ce dont Monica Preti va nous parler maintenant. À toutes et à tous, merci à Marc. Sa présentation de l'exposition donne envie de retourner vite à l'exposition. Pour ma part, je vais vous présenter maintenant la journée des colloques d'aujourd'hui. Ces colloques font suite à celui que le Louvre avait organisé en collaboration avec l'Institut national d'histoire de l'art en 2013, à l'occasion de l'exposition Les Printemps de la Renaissance, la sculpture et les arts à Florence 1400-1460, présenté au Louvre et au Bargello de Florence, premier volet d'un diptyque d'exposition dont le corps et l'âme, Marc vient de vous le dire, est le deuxième volet. Ce premier colloque et l'ouvrage qui en est issu, vous voyez ici la couverture du livre, avait permis de mettre en valeur des phénomènes intrinsèquement liés à l'espace urbain florentin et en particulier les enjeux symboliques et politiques de la sculpture dans ses différentes typologies, portraits sculptés, armoiries, statues civiques ou crucifix, sur les discours politiques, civiques et religieux au XVe siècle. La journée des colloques que nous vous présentons aujourd'hui, à laquelle, on vous l'a dit, fera suite une deuxième journée au Palazzo Sforzesco à Milan au mois de septembre, élargit l'intérêt au débat artistique en Italie dans les années 1460-1520, les années couvertes par l'exposition, autour des deux grandes questions qui occupent les artistes et en particulier les sculpteurs de l'époque, à savoir la représentation du corps d'une part et les émotions d'autre part.
l'œuvre que nous avons choisie pour illustrer notre colloque, vous l'avez vu, une œuvre de jeunesse de Michel-Ange, les Bacchus, réalisée entre 1496 et 1497, aujourd'hui conservée au musée du Bargello à Florence, vous les voyez ici, incarne et résume la texture complexe du tissu intellectuel, culturel et artistique de la Renaissance, période au cours de laquelle on a cherché à renouer plus étroitement avec l'héritage antique et certaines de ses valeurs, et explorer les parentés multiples qui faisaient s'entrecroiser des composantes culturelles païennes et chrétienne. Et c'est Abbé Warburg, le premier, avoir interrogé l'art occidental sous l'angle de ses survivances. Il disait des formules de pathos, donc les pathos formen, c'est-à-dire les représentations des émotions issues de l'art de l'Antiquité et leur résurgence pendant la Renaissance. Les colloques se proposent notamment d'étudier les influences et les échanges possibles entre la sculpture et différents moyens artistiques mettant en jeu l'expression du sentiment par la performance corporelle à la Renaissance, qu'il s'agisse du théâtre, de la musique ou de la danse. L'œuvre de Michel-Ange est au centre des deux premières communications de la matinée. La conférence d'ouverture de Patricia Rubin offrira une fascinante réflexion sur l'approche allusive et allégorique de Michel-Ange vis-à-vis des émotions entourant la mort. En procédant ensuite à une comparaison entre l'œuvre de Michel-Ange et celle d'Andrea Verrocchio, en particulier notamment les tombeaux de Francesca Tornabuoni, elle offrira une synthèse brillante, vous allez l'écouter, sur les différentes manières avec lesquelles les sculpteurs de la Renaissance ont pu donner forme à la mélancolie de la mort. La conférence de Kathleen Wren Christiansen se concentrera, quant à elle, sur la réception du Bacchus de Michel-Ange dans les contextes du Rione Parione à Rome, quartier célèbre pour ses collections d'antiquités et ses cercles littéraires et antiquaires, où la statue fut exposée pendant des décennies dans la cour du palais Galli, et sur ses relations possibles avec le théâtre ou des pratiques conviviales comme les banquets ou les conversations savantes. Cette même fonction performative de la sculpture est aussi le thème de la dernière conférence de la matinée, Émotion dans les studiolo, par Ulrich Pfisterer, qui étudiera la signification et les rôles des statuettes et des sculptures de petite dimension, de petit format, dans les studioli des humanistes de la Renaissance. La séance de l'après-midi sera ouverte par la conférence de Philippe Morel consacrée aux ménades dansantes et aux modalités de réception, d'adaptation et réinvestissement symbolique de ces figures de l'Antiquité dans l'art de la Renaissance, un thème qui a fasciné aussi Abbé Warburg. Et les trois autres conférences seront consacrées à d'autres formes artistiques mettant en jeu l'expression du sentiment par la performance corporelle dans leur relation avec la sculpture. Ludmilla Acone abordera l'art de la danse, ce virtuoso esercizio théorisé dans la deuxième moitié du 400 qui, dans la volonté de s'élever au rang des arts libéraux, dialogue avec les autres arts et en particulier avec la sculpture. Le Sacromonte de Varallo, auquel est consacrée la conférence d'Anne Le Poitevin, offre l'exemple d'une forme artistique religieuse où la place importante de la statuaire témoigne des pratiques cultuelles qui favorisent l'illusion des présences que la statue peut donner aux fidèles. De fait, la statuaire de Sacrimonti est exceptionnellement propre à stimuler, susciter les émotions. Enfin, Paola Ventrone s'intéressera à la mise en scène du paradis dantesque dans les spectacles de la Renaissance italienne et à leur influence sur la sculpture et aussi sur la peinture.
Donc, vous avez donc pu entendre un riche programme que j'espère vous intéressera. Et je tiens ici aussi à remercier les deux autres co-directrices scientifiques du colloque, Beatrice Paolozzi-Strozzi et Francesca Tasso, qui sera avec nous à la fin du colloque pour les conclusions. Et naturellement, tous les intervenants qui ont accompagné les vicissitudes de ce colloque, qui sont celles aussi de l'exposition que, je l'espère, pourra ouvrir très bientôt. Nous allons maintenant écouter Patricia Rubin, qui nous a fait l'honneur d'accepter de prononcer la conférence d'ouverture de ce colloque. Sa conférence a été pré-enregistrée, mais elle nous écoute de loin, de Florence, donc je lui dis un bonjour. Patricia Rubin n'a pas besoin d'être présentée. Elle est une éminente historienne de l'art, reconnue internationalement, grande spécialiste de la Renaissance italienne et de beaucoup d'autres sujets. Elle a occupé des postes prestigieux. Elle est directrice émérite de l'Institute of Arts de l'Université de New York, où elle a également enseigné, elle était professeure d'histoire de l'art de la Renaissance italienne dès 2009 jusqu'à tout récemment, 2019. Auparavant, elle avait été directrice adjointe et directrice fondatrice du Research Forum du Courtauld Institute à Londres, l'un des centres de recherche les plus stimulants et vivants en histoire de l'art. Elle est aussi professeure invitée et directrice par intérim de la Villa Itatti, le centre d'études de la Renaissance italienne de l'Université de Harvard à Florence, et actuellement, elle est visiting scholar al Kunsthistorisches Institut à Florence. Parmi ses nombreux ouvrages, je ne peux pas les citer tous, mais je tiens à citer deux livres. Giorgio Vasari, Art and History, Images and Identity in 15th Century Florence, l'une des plus brillantes synthèses sur l'art à Florence au XVe siècle. Et plus récemment, Seen from Behind, Perspectives on the Male Body and Renaissance Art, traduction française, Vue de derrière, Perspectives sur le corps masculin et l'art de la Renaissance. Deux livres qui sont bien représentatifs de ses centres d'intérêt et de l'originalité de son approche de l'histoire de l'art, à la fois matérielle, sociale et culturelle, une histoire intrinsèquement interdisciplinaire, sans hiérarchie des valeurs, que ce soit du point de vue des moyens utilisés ou des modes de transmission. Donc la conférence qu'elle nous présente aujourd'hui est intitulée « Le singe de Michel-Ange et la mélancolie de la mort ». Et j'ai tenu naturellement à ne pas dévoiler l'identité du singe dont Patricia Rubin va nous parler, et nous allons maintenant l'écouter. The title of my paper includes melancholy, and I will admit that it is with some melancholy. Le titre de ma conférence parle de mélancolie. That feeling is offset. Et ce n'est pas sans mélancolie que je rejoins ce colloque à distance. Mais cette mélancolie est atténuée par la joie d'avoir été invité à réfléchir à la manière dont la sculpture figurative peut configurer la complexité émotionnelle, et comme son pouvoir singulier peut aussi conditionner sa réception et son interprétation. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu prendre part à ce questionnement fondamental et honorée de rejoindre cette conférence. Je voudrais remercier les organisateurs de l'exposition et de la conférence, Monica Preti, Marc Borman et Valentine Gay, pour leur invitation, le travail, la résilience pendant cette période d'incertitude, mais une période où, grâce à cette invitation, j'ai passé des heures merveilleuses en compagnie de personnages très intrigants tels que Buonarroti et son singe. La forme fantomatique du singe qui se niche contre la fesse gauche de l'un des prisonniers de Michel-Ange, aujourd'hui au Louvre, est d'ici. La statue était à l'origine destinée au tombeau du pape Jules II. Commandée par Jules II en 1505, elle ne fut commencée que quelques mois après sa mort, en février 1513. Un nouveau contrat a été établi ce printemps-là afin de répondre aux souhaits testamentaires du pape. Les termes du contrat ont été convenus sur la base de dessins et croquis, un modèle
modèle réalisé par Michel-Ange qui prévoyait une structure massive à trois côtés avec 40 personnages grandeur nature et trois bas-reliefs en bronze ou en marbre, le tout devant être achevé dans les 7 années suivantes. Une copie ultérieure, lisible d'un dessin très endommagé de Michel-Ange, se situe à Berlin, donne une idée de ce projet grandiose. Le projet malheureux fut finalement achevé en 1544, après de nombreuses révisions, renégociations et finalement beaucoup de récriminations entre les héritiers et les exécuteurs testamentaires du pape et de l'artiste. Conçu comme un hommage triomphal à Jules II et à son pontificat, destiné à rivaliser avec les mausolées de l'Antiquité, le produit final est installé à San Pietro in Vicoli. C'est un produit maladroit des ambitions ratées du mécène et de l'artiste. Moïse, alerte, impressionnant, est la seule statue issue de l'exposition de travail provoquée par le contrat de 1513 qui s'est déroulé entre 1513 et 1516, au moment même où le singe de Michel-Ange était créé pour le mémorial du pape. La forme provisoire du singe est utilisée ici comme une clé de l'engagement progressif et frustré de Michel-Ange dans cette poétique de la perte, qu'il en est venu à appeler la tragédie de la tombe. L'animal juste ébauché est également symptomatique des paradoxes incarnés par ces sculptures et leur interprétation. Dans ce qui suit, l'approche allusive et allégorique de Michel-Ange des émotions entourant la mort sera mise en abîme avec ce relief dramatique conçu par Andrea del Verrocchio une génération plus tôt pour la tombe de Francesca Tornabuoni. Ici, le singe est un détail du bas-relief de Tornabuoni, actuellement au musée Bargello à Florence. Ce rapprochement entre le singe et la ménade permet de comprendre comment les sculpteurs de la Renaissance pouvaient configurer la mélancolie de la mort, pour citer la lettre d'une mère pleurant la perte de son fils. En ce qui concerne le singe de Michel-Ange, ce primate tapis ici n'est pas la première créature à s'enrouler autour de la jambe d'un des personnages. Il a été précédé par le petit satyre se gavant des raisins de Bacchus dans la statue sculptée pour le cardinal Raffaele Riario entre 1496 et 1497, aujourd'hui au musée Bargello à Florence. La commande du Bacchus était une provocation délibérée de la part du cardinal. Lors de sa première rencontre avec l'artiste en juillet 1496, seulement quelques jours après l'arrivée de Michel-Ange à Rome, Riario lui avait demandé d'aller immédiatement voir ce personnage vers cette figure, c'est-à-dire certainement des antiquités, et lors de leur deuxième rencontre, le cardinal avait demandé si l'artiste aurait le courage de faire quelque chose d'aussi beau. Praxitèle, un des sculpteurs les plus célèbres du monde antique, était célèbre pour sa statue en bronze, le Dionysos avec figure d'ivrogne, et aussi pour celle d'un satyre, une réputation qui ajoutait au défi. Il a peut-être aussi suggéré la combinaison d'un personnage de l'ivresse avec le satyre sous la forme de Bacchus et son petit compagnon. La réaction de Michel-Ange ou sa réponse n'était pas moins provocante que la tâche qui lui avait été confiée par le cardinal. Le dieu du vin invite le spectateur à partager ses plaisirs offerts par la coupe levée tout en admirant les courbes sinueuses de sa forme douce et subtilement balancée, s'enivrer de perspectives, multiples de tous ses membres et contours à son corps à côté de celui du satyre. S'il existe une vue principale, celle de Bacchus vue de face, il n'y a pas de point de vue fixe, en quelque sorte. En fait, la statue a été sculptée depuis le côté du bloc, en partant de l'angle qui englobe le dieu et le satyre. Ce spectacle vertigineux a donné lieu à un grand nombre d'interprétations au fil du temps. Sur le plan technique ou formel, la présence du satyre s'explique comme un moyen de faire contrepoids à Bacchus. Le satyre est perché sur un tronc d'arbre qui, par convention, soutient ou stabilise le personnage
personnage debout, comme celui qui soutient la célèbre statue connue aujourd'hui sous le nom d'Apollon du Belvédère. Mais la jambe de Bacchus n'est pas attachée au tronc, elle n'est pas collée au tronc, défiant audacieusement les modèles antiques que Michel-Ange avait tant admirés et qu'il cherchait sans doute à surpasser. La différence est soulignée par le soin apporté par Michel-Ange au rendu de la souche, avec son écorce, ses nœuds et les racines qui pénètrent dans le socle rocheux, dont la pierrosité même devient un objet de représentation. Vous voyez ici le tronc, la racine qui pénètre dans le sol rocailleux et le sol rocailleux lui-même. L'arbre est enraciné, certes, mais le dieu ne l'est pas, ou il ne l'est pas par des moyens évidents. La peau d'animal, les grappes de raisin tombant des mains de Bacchus fournissent les joints physiques réels au niveau du flanc gauche et du flanc droit du dieu. Michel-Ange a également pris soin de déguiser ici, ajoutant ainsi l'insolence de son œuvre. On le voit de côté et puis ici vu de dos. Ainsi déguisé, le lien matériel devient une séparation conceptuelle. Il marque un clivage ou une distinction entre l'abandon du dieu aux effets du breuvage qu'il porte si haut et la gourmandise joyeuse du petit satyre qui engloutit les grains de raisin. La question que pose leur position est de savoir si les sens qui peuvent être émoussés ou exacerbés par l'ivresse divine de Bacchus sont les mêmes que ceux qui excitent tant son adepte. Les oreilles dressées, la queue, le pénis en érection, le satyre est montré s'abandonnant aux appétits sensuels, pulsions qui prennent une forme bestiale dans sa forme hybride et qui peuvent conduire à ce type d'effondrement mou, l'effondrement des membres qui ressemble à une peau d'animal tombant entre les sabots. L'ivresse du dieu fait-elle par contre allusion à la fureur néoplatonicienne, un concept discuté dans les cercles savants de Florence et de Rome et familier à Michel-Ange? Quel type de désirs sont incarnés par la chair molle et les membres polis de Bacchus? Qu'est-ce que cela signifierait de devenir un subordonné de ses attraits, comme son petit disciple? Le sujet de l'ensemble est évident. Il présente Bacchus et ses suivants turbulents. Mais l'effet subjectif est ambigu et troublant. Comme les effets de la boisson, il est désorientant, il est compromettant. Cela exerce un charme troublant, incitant celui qui la regarde à se laisser tenter. Les ambiguïtés qui entourent le singe et le prisonnier sont d'une autre nature, tout comme leur charge affective. Le personnage est aujourd'hui communément, ou plutôt très souvent, appelé l'esclave mourant, l'autre statue sculptée au cours des mêmes années, également ici au Louvre, et on l'appelle l'esclave rebelle. Ces termes ont été remis en question, et à juste titre. Pour se concentrer sur les adjectifs, est-ce qu'on pourrait plutôt remplacer mourant par rêveur, rebelle remplacé par ardent ou désireux, par exemple? Le singe qui se tient derrière les jambes du captif alangui est-il là pour soutenir un jeune homme sur le point de s'effondrer? Un homme mourant serre les fesses ou les cheveux d'un bras replié sur l'épaule, les muscles encore tendus du personnage, sa chair lisse, ses lèvres pincées, et oui, même ses yeux légèrement fermés, tout est l'opposé des signes physiques de la mort. En d'autres termes, le rapport de la statue à la mort est à la fois idéalisé et métaphorique. Comme on l'a souvent remarqué, on exprime ici le désir de se libérer de la prison terrestre du corps, un désir décrit à plusieurs reprises par Pétrarque dans ses sonnets et plus particulièrement dans son Triomphe de la mort. Michel-Ange connaissait bien ces vers, citant même le Triomphe sur l'un de ses dessins, écrivant que la mort est la libération d'une prison sombre, obscure. Cet emprisonnement est devenu une image récurrente dans ses poèmes. Pris dans un sens poétique, on pourrait dire que le jeune homme se languit après une sorte de rêve de mort, attendant le moment où il sera libéré de la tâche qui lie son torse, sa poitrine, juste au-dessus du cœur, là où pointe sa main.
un geste que Michel-Ange a étudié avec grand soin. Ce qu'on peut dire, c'est que Michel-Ange a conçu les statues dans des attitudes contrastées, en les travaillant plus ou moins en même temps ou en les amenant plus ou moins au même état de finition. Le contraste a probablement été inspiré par les fils de Lacaune dans le groupe qui avait été découvert avec beaucoup de joie en janvier 1506. Michel-Ange étant bientôt sur place avec son ami Giuliano da Sangallo, qui a immédiatement reconnu le groupe comme étant celui de Pline. Vous le voyez ici, au centre. Il est logique de supposer que Michel-Ange a été intrigué par cette notion d'attitude corroborée lorsqu'il a commencé à concevoir le tombeau peu après la découverte de la célèbre sculpture, reprenant l'idée, mais à des fins différentes. Une lutte contre la mort tragique est le sujet de l'œuvre antique. Les expressions rêveuses, ardentes, des hommes ligotés de Michel-Ange ne sont pas dans le même registre émotionnel que l'angoisse et la peur sur les visages des deux garçons qui subissent leur épouvantable destin. Ils sont, ici, je vais vous montrer les images des têtes. Ici, les jeunes sont déchiquetés, tués par des vicieux serpents de mer. La différence est révélatrice. Le Laocoon renferme un récit épouvantable. Les figures du Louvre sont deux des 12 prévues pour flanquer les niches avec les statues de victoire debout sur des ennemis victorieux. Comme vous le voyez ici dans les dessins des Uffizi, le musée des offices lié au projet du tombeau de 1513. Les ensembles allégoriques étaient destinés à encadrer des reliefs présentant les épisodes qui symbolisent le règne de Jules II. Dans ce schéma, ils constituaient une forme de ponctuation élogieuse dans un magnifique éloge matériel du pontificat. La combinaison de récits historiques avec des vainqueurs et des captifs avait un modèle faisant autorité dans les arcs de triomphe romains. Elle était également familière dans les triomphes poétiques de Pétrarque, leurs illustrations en particulier, et plus particulièrement dans le contexte du mémorial à Jules II, avec les triomphes de la mort et de la renommée. Le mur du tombeau de la chapelle de Filippo Strozzi, à la basilique Santa Maria Novella à Florence, constituait un autre précédent convaincant pour Michel-Ange quand il a commencé à réfléchir à la façon de répondre aux attentes extravagantes du pape. Ici, vous avez une vue de la chapelle Strozzi et un dessin de Michel-Ange pour le tombeau de Jules II, actuellement au Metropolitan Museum et date d'environ de 1505 à 1506. La chapelle a été achevée en 1503. À cette époque-là, Michel-Ange était à Florence et c'était peu de temps avant que Jules II ne commande son monument. La Vierge à l'enfant, majestueusement, debout dans la fenêtre de la, dans le vitrail de la chapelle, encadrée par son arc et placée au-dessus des saints assis, fait écho aux premières idées de Michel-Ange pour le niveau supérieur du tombeau. Le dessin de Filippino adapte la forme triomphale au thème de la mort, de la dévotion, de la commémoration. La combinaison imaginative de Lippi et de l'allégorie païenne, de la prophétie biblique dans une chapelle funéraire, avait toutes les raisons de susciter les réflexions de Michel-Ange sur la manière de réaliser les ambitions de Jules II pour l'au-delà. Les deux sources écrites du vivant de Michel-Ange par des auteurs qui le connaissent s'accordent pour qualifier les figures liées de Prigioni, un détail d'un dessin de l'Ashmolean Museum d'Oxford et les esquisses des figures du tombeau. On leur attribue également des significations allégoriques, mais pas les mêmes. Dans la première édition, en 1550, de ses biographies, Giorgio Vasari dit qu'il s'agit de provinces. Dans sa vie de Michel-Ange, écrite sous la direction de l'artiste et publiée en 1553, Ascanio Condivi dit qu'elle représente les arts libéraux, la peinture, la sculpture, l'architecture, chacune avec ses attributs, signifiant que toutes ses vertus, comme le pape Jules II, sont prisonnières de la mort. Vasari a révisé son récit dans sa deuxième édition en 1568.
en les mêlant à celle de Condivi. Il précise que les captifs sont les provinces subjuguées par Jules II et ajoute que les autres personnages sont les arts, soumis à la même mort que le pape qui les avait utilisés si honorablement. Les messages contradictoires, décrits ici ne sont pas erronés. Les trois récits rassemblent toutes les étapes du projet de changement de forme tel qu'il est développé dans le processus de conception, habituellement très fluide, de Michel-Ange, au cours des trois décennies qui se sont écoulées entre la commande initiale de 1505 et 1532, lorsque les héritiers della Rovere ont accepté la version très réduite de la tombe qui a finalement été installée à San Pietro in Vicoli. Il relate également de manière assez détaillée ce qui était fait en fait une fiction imaginative plutôt qu'une réalité historique, c'est-à-dire une fiction basée sur les souvenirs de l'artiste et sa réputation. Les premières réflexions de Jules II sur l'imagerie de son tombeau sont probablement revenues à celles qu'il avait commandées à Antonio del Pollaiolo une génération plus tôt pour son oncle, le pape Sixte IV. Sur ce somptueux monument en bronze, l'effigie du pape est entourée des sept vertus théologales et cardinales. 10 panneaux, représentant des personnifications des arts libéraux et savants, forment la base. Jules devait célébrer sa propre promotion des arts dans la décoration de sa bibliothèque au Palais du Vatican, la Stanza della Segnatura, peinte par Raphaël entre 1508 et 1511. Les plans de son tombeau furent toutefois compliqués dès le départ par l'ampleur, la portée des ambitions mémorielles de Jules II, calquées sur celles de la Rome impériale, avec leur récit de conquête. En outre, lorsque le projet fut revu et corrigé pour l'accord de 1513, sa logique architecturale, avec une disposition symétrique des niches, signifiait qu'il y avait 12 pilastres, chacun pour une statue. Si les pilastres devaient être peuplés allégoriquement par les arts, il fallait 5 pilastres de plus que les arts libéraux traditionnels et 2 de plus que les 10 du tombeau de Sixte. Mais à cette époque, il convenait de se souvenir de Jules II, récemment décédé, comme d'un pape guerrier qui s'était lancé à la conquête de différentes provinces. Ni Jules II, ni Michel-Ange n'auraient manqué de conseils avisés sur la façon de jouer à ce jeu des chiffres, une fois qu'il fut commencé en 1505. Le fait que les arts soient également les prisonniers d'une sorte de Alantica, à l'antique, a libéré Michel-Ange de la convention de la personnification féminine et lui a permis d'explorer des idées de nu masculin liées ou prisonniers qui existaient dans la pratique florentine du dessin et qui suivaient la tendance de ses propres impulsions figuratives. Ici, un dessin de Filippino Lippi comprenant une telle figure. La servitude est un motif important, un motif d'empathie pour Michel-Ange. Les sangles, les bandes d'étoffe entremêlées avec les corps est un élément récurrent de ses œuvres dès le début de sa carrière, comme par exemple dans l'enroulement de l'étoffe retenant le Christ mort dans la mise au tombeau inachevé qu'il commença à peindre en 1500 pour l'église de San Agostino à Rome. Où on voit aussi l'écharpe de David. Dans le marbre, la pression de ses liens contre la peau souple était une taquinerie sensuelle. Un rappel tactile de la chair de la chair. Ici, vous voyez également les prisonniers du Louvre. En 2 et 3 dimensions, de tels enchevêtrements faisaient partie de la recherche du tracé rythmique des contours qui étaient si fondamentaux pour le dessin figuratif de Michel-Ange. Les 2 prisonniers du Louvre, à demi fini, on revient en arrière. Vous voyez ici les liens et les
bandes qui s'impriment dans la peau, littéralement, dans la peau du prisonnier. Donc, ces deux prisonniers du Louvre, à demi achevés, ainsi que les captifs légèrement plus tardifs, qui se trouvent actuellement à l'Accademia de Florence, sont donc nés d'un mélange de motifs et représentent des métaphores mixtes. Ils sont le produit combiné de la mégalomanie mémoriale de Jules II et les méditations prolongées de Michel-Ange sur la perte, la mort et le désir. Il s'agit bien entendu là des thèmes principaux de la poésie de Pétrarque, qui a servi de filtre, de modèle aux rêveries émotionnelles de Michel-Ange. Des fragments de l'un et de l'autre, des vers rappelés au canzoniere de Pétrarque, les ébauches sporadiques de ses propres sonnets, sont disséminés dans les dessins de Michel-Ange, non pas comme une question de cause à effet, mais comme le résultat de ce qui lui venait à l'esprit lorsqu'il travaillait, papier, craie ou pinceau en main. À l'instar de ces vers, les significations incarnées par le prisonnier du Louvre sont comprimées, allusives, multidimensionnelles. À un niveau primaire, on voit le singe autour de la jambe du prisonnier, probablement conçu comme un attribut d'un des arts, voire de l'art en général, matérialisant la maxime « ars simia naturae », l'art, le singe de la nature. Dans son sens positif, ça veut dire que l'art imite la nature, tout comme les singes imitent les hommes. Au sens négatif, ça voudrait dire imitation, copie, servile de l'art. Michel-Ange connaissait probablement ces deux interprétations, puisqu'il connaissait Angelo Poliziano, son mentor intellectuel, lorsqu'ils étaient membres de la maison de Laurent de Médici pendant la jeunesse de Michel-Ange. Poliziano était célèbre dans les débats passionnés sur l'imitation. Il condamnait le fait de copier ou de copier de trop près, même les meilleurs auteurs, notamment Cicéron, parce que cela, dit-il, inhibe l'expression personnelle de l'individualisation stylistique. Michel-Ange a pris ses convictions à cœur. Il ne fallait jamais imiter sans réfléchir. Le singe bloqué par Michel-Ange a été conçu pour représenter un singe, un primate, dont la queue s'enroule à l'avant du socle. Il n'y a pas de singe hominoïde à sa connaissance, mais il se trouve qu'un capucin a été ajouté à la ménagerie du pape Léon X en mars 1514. Donc il avait un singe comme modèle. Et pourtant, Michel-Ange a laissé ce symbole même de la mimésis dans un état de ressemblance non résolu. D'autres statues inachevées montrent que cette absence de finition découle de sa méthode de travail habituelle. Les parties inférieures des sculptures sont toujours les dernières à être façonnées à partir de leurs blocs. Dans ce cas, le résultat de la pratique peut également être considéré comme un commentaire sur ses conséquences. En même temps, il se distancie de l'imitation du singe, distingue la nature vile ou sous-humaine de l'animal, de la beauté de la figure humaine qui s'élève au-dessus de lui. Les singes sont régulièrement décrits comme laids, difformes. Ils sont des versions dégradées de l'humanité qu'ils imitent. Ils sont aussi régulièrement enchaînés pour les empêcher de faire des bêtises. Et quelle bêtise fait ce singe ? Michel-Ange voudrait l'enchaîner à la figure enchaînée, dans une subversion burlesque des méditations sobres sur le sort de l'âme. Ou bien l'aurait-il laissé libre, présentant les exemple d'un être incapable de pensée rationnelle et de rêverie contemplative. La distinction entre les formes supérieures et inférieures rappelle, sans la répéter, cette juxtaposition du bestial et du divin dans le Bacchus. Comme nous l'avons déjà dit, la tentation est la clé de voûte de cette association. L'asservissement est le sujet des prisonniers des pilastres, les seconds rôles de la tombe. La soumission et non l'asservissement qui est la différence essentielle entre l'asservissement et l'emprisonnement et entre le fait d'appeler correctement les statues des prisonniers plutôt que des esclaves. Quels que soient les plans que Jules II a pu approuver au départ, comme celui de la voûte de la chapelle Sixtine,
Ils ont été dépassés par le mode de pensée créatif, associatif, ambitieux et progressif de Michel-Ange. Au lieu de personnifier le pouvoir d'un pape mort sur le savoir et l'éther, les prisonniers sont devenus les incarnations d'émotions contradictoires autour de la mort. Ils présentent le paradoxe de la belle prison terrestre, le bel carcere terreno, pour citer les vers de Pétrarque bien connus de Michel-Ange. Ils sont à la fois les objets d'une perte amère, l'expression du désir de briser les liens qui unissent une telle beauté à l'existence terrestre. Une génération avant que Jules II appelle Michel-Ange à Rome, le banquier florentin de son oncle Sixte IV, Giovanni Tornabuoni, pleurait la perte de sa femme, Francesca, morte en couche le 23 septembre 1477. Ici, le couple est représenté pour la postérité, dans le rôle de pieux donateur sur le mur de l'hôtel de la chapelle de Santa Maria Novella à Florence, que Giovanni a doté pour faire décorer par Domenico Ghirlandaio et son atelier entre 1486 et 90. Avec le jeune Michel-Ange, alors apprenti de Domenico, parmi ceux qui sont sur l'échafaudage. Le portrait de Francesca est bien entendu un portrait posthume. C'est un exemple de nombreuses façons dont Giovanni a gardé son image en mémoire. Il fait dire des messes anniversaires pour le bien de son âme, à Rome et à Florence. En outre, dans un legs testamentaire, il laisse 100 florins d'or pour l'achèvement d'une toile d'enveloppe destinée à recevoir son cercueil, qui devait inclure un portrait brodé de Francesca face à la première femme de son fils, morte en donnant naissance au deuxième enfant en 1488. Ce qu'il y a d'exceptionnel pour un homme dans sa position et sa richesse, c'est que Giovanni ne s'est jamais remarié. Les sentiments qu'il a éprouvés au moment de la perte de sa femme ont été profonds et les effets durables. Giovanni a décrit cette expérience déchirante de la mort à son neveu Lorenzo, Laurent de Médicis, dans une lettre qu'il a écrite peu de temps après l'événement à Rome. Je suis tellement oppressé par l'angoisse, le chagrin de la circonstance, qui frappe de manière inattendue ma plus douce épouse que je ne sais moi-même pas qui je suis, où je suis. Comme il a plu à Dieu, après 22 heures d'accouchement, elle a quitté cette vie présente et après qu'elle a été ouverte, l'enfant que nous avons pris est mort, ce qui a été pour moi une double peine. Fin de citation. Sa lettre et les autres qui circulent sur cette triste nouvelle sont des témoignages rares d'état émotionnel. Rares, non pas parce qu'ils expriment des sentiments, de nombreux genres littéraires sont consacrés à cette fin, mais en raison de leur caractère d'immédiateté. Bien que le langage de la douleur que l'on trouve dans ces échanges de chagrin et de consolation soit limité et puisse sembler conventionnel, il est quand même très direct. N'étant pas lié à l'éloquence disciplinée de la rhétorique ou de la poésie, ces lettres peuvent fournir les clés sur la manière dont les émotions fortes étaient canalisées dans la représentation. Dans le cas de Giovanni, son double chagrin a finalement pris une forme inhabituellement explicite dans ce bas-relief destiné à orner la tombe de Francesca à Rome. Et si vous voyez donc ce bas-relief. La tombe qui n'existe plus dans son entier. Il existe un dessin de l'effigie de Francesca sur la civière avec l'enfant allongé sur son corps, réalisé par l'artiste hollandais Maarten van Heemskerk qui a parcouru Rome, stylo à la main, entre 1532 et 1536. Le dessin se trouve aujourd'hui à Berlin et vous voyez Francesca et l'enfant en haut à gauche. L'esquisse, abrégée d'un, entourée et complétée d'un sarcophage situé à proximité, au bord de cette feuille, provient de la tombe de Francesco Tornabuoni, le neveu de Francesca, également commandé par Giovanni. Tous deux ont été placés dans la chapelle dédiée à Jean-Baptiste que Giovanni a créée dans l'église de Santa Maria sopra Minerva. Va à Rome après la mort de Francesca. Les tombes ont été déplacées en 1588 lorsque la chapelle et l'entretien, surtout de la chapelle, furent repris par une autre famille. Déplacées et, dans le cas du monument de Francesca, finalement brisées et dispersées en plusieurs morceaux. Celui de Francesco a survécu, du moins en partie, sur le mur à gauche de la première chapelle dans le couloir. Parce que
En dehors d'un enregistrement de 25 ducats qui fut payé pour l'autorisation d'enterrer Francesca, aucun autre document n'a été trouvé concernant la dotation ou la décoration par Giovanni de la chapelle de la Minerve ou la commande des tombes. L'inscription sur la tombe de Francesco indique que son oncle Giovanni a élevé ce monument à la gloire de Francesco, à sa mémoire qui était chère au pape Sixte, regrettant qu'il ait été, je cite, arraché par une mort amère à de grandes espérances. Fin de citation. Dans la deuxième édition des Vies, Vasari indique que le tableau a été réalisé par Mino da Fiesole en notant l'exactitude du portrait. Mino a certainement capturé ce visage plein du jeune homme qui n'est pas sans rappeler celui de son oncle et l'a habillé en fonction de son âge et de son statut. Vivant à Rome, Giovanni Tornabuoni n'était pas lié par les conventions florentines lorsqu'il réfléchit à la meilleure façon de commémorer sa femme, l'enfant et son neveu. Il profite pleinement de cette liberté en décidant de commander des monuments et surtout d'ériger une tombe, on va dire murale, à l'effigie de Francesca et de leur enfant mort-né. Ici, un détail du dessin de Heemskerk. Comme on l'a souvent remarqué, il n'existe pas de tels tombeaux pour les femmes à Florence. Ailleurs, elles sont essentiellement réservées aux femmes de la noblesse et aux épouses des souverains. L'inclusion de l'enfant est encore plus exceptionnelle, car on ne connaît qu'un seul autre exemple de double tombe mère-enfant. À Aquila, dans les Abruzzes, il date des années 1490, il a été commandé par la mère qui était membre de la famille royale aragonaise. Il n'a donc aucun rapport direct avec la conception de la tombe de Francesca ou le souhait de Giovanni de soulager sa double peine face à la mort de sa femme et de son enfant. Ici, cela prend une forme grandiose et pratiquement sans précédent. Giovanni a bénéficié de l'essor de la construction de tombeaux à Rome et de monuments funéraires lorsqu'il a entrepris de réaliser ses intentions. Des monuments funéraires à l'effigie de grandes figures avaient été et continuaient d'être commandés pour et par les papes successifs et par d'autres ecclésiastiques de haut rang est bien connu. L'essor des monuments signifiait qu'il existait des ateliers de sculpteurs prêts et capables de concevoir et d'exécuter des projets aussi ambitieux, le plus souvent en collaboration. Depuis son arrivée à Rome au milieu des années 1470, Mino da Fiesole a rejoint ce groupe d'entrepreneurs ses plus gros prospères. La combinaison de la formation florentine et de l'expérience romaine de Mino pourrait avoir été un attrait pour Giovanni alors qu'il envisageait un projet commémoratif. Le choix de Mino concorde avec l'attribution par Vasari du tombeau de Francesco a Mino dans sa vie de cet artiste. Il est cependant en contradiction avec les déclarations concernant le monument de Francesca dans ses biographies écrites par Verrocchio et Ghirlandaio dans la première édition et la deuxième édition révisée de sa biographie de Verrocchio. Vasari nous dit qu'Andrea fut convoqué à Rome par Sixte IV et qu'en plus de son travail pour Sixte et de son admiration des vestiges de la sculpture antique, il fut chargé de réaliser le tombeau de la femme de Francesco Tornabuoni qui était morte en couche. Tout en confondant l'homme, Vasari dit qu'il aimait beaucoup sa femme et souhaitait honorer et rendre hommage à son corps. Vasari semble avoir été frappé par le relief en marbre du sarcophage qu'il écrit de manière assez détaillée, disant qu'il montrait la femme, la naissance, sa mort et plusieurs autres petites figures qui étaient très belles et magnifiquement sculpté. Comme je vous l'ai dit précédemment, Vasari attribue à Mino da Fiesole le mémorial de Francesco Tornabuoni. Combinées, ces références constituent une chapelle funéraire entièrement décorée, dédiée au Baptiste, le saint nom de Giovanni, son nom complet étant Giovan Battista, avec deux tombes et des décorations qui préfigurent le cycle plus étendu de la chapelle ultérieure de Santa Maria Novella. Ils attribuent l'œuvre à Mino da Fiesole, qui était à Rome du milieu des années 1470 au début de 1480, à Domenico Ghirlandaio, dont l'œuvre dans la chapelle Sixtine date de son arrivée à Rome en juillet 1481 et à son départ en mai 1482, ainsi qu'à Andrea del Verrocchio, dont le voyage à Rome
pour quelque raison que ce soit, n'est pas autrement documenté. Il y a un autre ingrédient dans ce minestrone. Giovanni a quitté Rome pour Florence suite à la conspiration contre les Médicis, qui a impliqué le pape dans des complots culminants avec la mort de Lorenzo et l'assassinat de son frère en avril 1478. Une guerre entre Florence et la papauté s'en suivit. Giovanni ne revint résider à Rome qu'en décembre 1481, après que la paix eut été conclue. Une réconciliation dont on se souvient dans la chapelle du pape, notamment par la fresque de Domenico Ghirlandaio représentant l'appel des apôtres. Giovanni Tornabuoni et son jeune fils Laurent y figurent parmi les contemporains réunis de manière anachronique, mais significatifs pour assister à la scène, comme vous le voyez dans tous ces détails. La basilique dominicaine de Santa Maria sopra Minerva est une église appréciée des Florentins. Le clan Tornaquinci, Tornabuoni, avait des liens étroits avec les dominicains de Santa Maria Novella à Florence, ce qui pourrait avoir également influencé, voire contribué à orienter le choix de Giovanni pour le lieu de son patronage à Rome. Mino, présent sur les lieux avec un atelier, une main-d'œuvre équipée pour entreprendre des projets de grande envergure en collaboration efficace avec d'autres ateliers, pourrait certainement être l'artiste auquel Giovanni a fait appel en premier pour produire les dessins pour l'architecture et la disposition du tombeau. Le contrat ultérieur pour la chapelle de Santa Maria Novella prouve que Giovanni était un mécène exigeant. Dans ce cas, non seulement il a spécifié les sujets, la qualité des matériaux, l'abondance d'éléments figuratifs, mais il a également stipulé qu'il devrait y avoir des dessins. Il les avait d'ailleurs approuvés, Ghirlandaio étant tenu d'apporter les modifications qu'il pourrait exiger. Un dessin pour la fresque représentant l'ange apparaissant à Zacharie, aujourd'hui à l'Albertina de Vienne, avec des annotations identifiant les membres de la famille à représenter, prouve que Giovanni supervisait soigneusement le projet. Il y a tout lieu de croire que Giovanni a exigé un contrôle similaire sur la mise en œuvre du tombeau et de la chapelle de la Minerve, commémorant sa double perte et son double chagrin. La décision de placer l'effigie inhabituelle de la mère et de l'enfant sur le cercueil est probablement l'une des premières prises. Elle peut rappeler la façon dont ils étaient disposés pour les rites funéraires. Les premières étapes du travail, qui pourraient avoir commencé peu de temps après la mort de Francesca en 1447, ont été probablement concentrées sur les figures, sur le catafalque drapé, le sarcophage, ses ornementations, le cadre architectural ayant été donné à Mino pour coordonner, à des fins de coordination, et Mino et ses associés ont également pu commencer la sculpture. Les bas-reliefs décrits par Vasari n'ont pas forcément fait partie de la première campagne de dessin et de réalisation. Même s'ils appartenaient à la conception originale, Giovanni aurait pu décider de commander la sculpture à Verrocchio lors de son retour à Florence au printemps 1478. Verrocchio était à l'époque un remarquable talent. Depuis plus d'une décennie, il était fréquemment employé et soutenu par les Médicis pour des tâches de toutes sortes, privées ou publiques. Il maîtrisait de nombreux médias déjà à l'époque et son atelier était un aimant pour les associés talentueux. Et même si Giovanni avait quitté Rome, le spectre de la mort de Francesca planait toujours autour de lui. Au cours de l'été, Giovanni est appelé à rester auprès de sa femme enceinte, Clarisse, de la femme enceinte de Laurent de Médicis, Clarisse, à Pistoia. Elle s'était sentie seule sans la compagnie de Giovanni. Aussi, Angelo Poliziano en fit-il part à Laurent en août. Début septembre, Poliziano écrit que Clarisse, enceinte de 8 mois, ne se sent pas très bien et qu'elle craint de faire une fausse couche et de souffrir, je cite, comme la femme de Giovanni Tornabuoni. Cela ne pouvait que lui rappeler sa perte. Le scénario d'une commande partagée, pour spéculatif qu'il soit, gagne en crédibilité si l'on suit de près la description que Vasari fait de l'œuvre de Verrocchio. Il dit que Verrocchio a sculpté la scène de la naissance fatale dans une dalle sur un coffre en marbre pour citer en italien « Sopra una casa di marmo intaglio in una lapida la donna, il partorire ed il passare all'altra vita ».
en passage à l'autre vie. Le vocabulaire est très spécifique. Dans le lexique de Vasari, une casa est invariablement un coffre et une lapida est une dalle, c'est-à-dire un morceau de pierre relativement discret, on va dire. L'expression peut être interprétée ou glosée pour décrire un bas-relief qui se trouve sur le coffre de la tombe. Le relief pourrait avoir été conçu et sculpté séparément du reste de l'ensemble. Il n'est pas nécessaire qu'il ait été sculpté à Rome. Il n'aurait pas été le premier ou le dernier exemple d'une œuvre expédiée de Florence pour être installée ailleurs. La disposition verticale des éléments était courante dans la conception des tombes romaines. Une grande base ou un coffre qui pouvait inclure une inscription ou plusieurs reliefs narratifs, un catafalque ou une effigie au niveau suivant et au-dessus des figures en relief. Par exemple, le monument de Christophe della Rovere à Santa Maria du Peuple par Mino et Andrea Bregno. L'effigie de Francesca sur un catafalque à deux niveaux, telle qu'enregistrée dans le dessin de Heemskerk, est comparable à l'image du cardinal Niccolo Forteghieri sur son catafalque provenant de sa tombe par Mino à Santa Cecilia, Sainte Cécile à Rome. Forteghieri est mort en 1473. Le monument est daté du milieu de 1470. La similitude est compatible avec l'idée que Mino était en charge du projet à Rome et de sa mise en page, qu'il était responsable de l'exécution de plusieurs des principaux éléments de la conception. Cependant, tout dans ce relief confirme l'attribution de Vasari à Verrocchio. Ici, Verrocchio doit être compris en relation avec les méthodes de ce maître aux multiples possibilités et moyens d'expression. À la fin des années 1470, il jongle avec plusieurs commandes importantes, toutes à des stades différents de conception d'exécution, en deux ou trois dimensions, des peintures, de l'argent, des sculptures, en bronze, en marbre. On a pu dire qu'à cette époque, Verrocchio avait largement délégué la sculpture du marbre à Francesco di Simone Ferrucci. Verrocchio n'avait aucune difficulté à recruter des talents pour travailler sous ses ordres ou à laisser les membres talentueux de son atelier prendre en charge l'exécution de toute ou partie des travaux en cours. Léonard de Vinci en est un exemple célèbre. La sculpture, proprement dite du relief, a pu être confiée en grande partie à Francesco ou à un assistant compétent. Les dessins conservés de Francesco montrent qu'il a soigneusement enregistré les demandes du maître et les sculptures montrent qu'il les a répétées avec une grande habileté. Ici, un détail à gauche d'une tombe attribuée à Francesco di Simone à Bologne et des exemples de ses dessins à Berlin et à Londres. Mais il n'y a absolument aucun signe qu'il ait été ou aucune preuve qu'il ait été capable de configurer l'émotion de la manière aussi frappante et originale qui est exprimée dans le relief qui a tant impressionné Vasari lorsqu'il l'a vu sur le tombeau de Francesca. Bien que Giovanni soit presque à court de mots lorsqu'il écrit à Laurent au sujet de la mort de sa femme et qu'il doit s'excuser d'écrire aux autres, il avait une histoire à raconter. Avec Verrocchio, il confie sa triste histoire à un narrateur magistral, subtil, ingénieux, pour trouver des solutions à ce problème unique. Dans ce cas, la tâche de Verrocchio n'était pas simplement d'imaginer l'histoire, mais de la rendre proprement historique et pas simplement anecdotique. Il s'agissait de faire correspondre la mémoire au souvenir d'une manière qui n'avait pas de précédent direct. Le double chagrin de Giovanni est composé comme une double narration. D'un côté, la mort de Francesca et de l'autre, l'enfant mort présenté à Giovanni. Les scènes sont séparées dans l'espace et dans la teneur émotionnelle. Nous avons l'effusion de la douleur, les larmes, les gémissements, le poids du chagrin qui est représenté par les femmes qui entourent Francesca. La représentation de Giovanni et des personnages qui l'accompagnent témoigne plutôt d'un calme mélancolique et digne. Le décorum funéraire est représenté dans cette division entre le domaine féminin de la chambre de naissance, devenue mortuaire, et la réception solennelle et virile de la nouvelle. Les deux, ou de l'annonce, les deux scènes sont exemplaires, comme il sied à l'histoire. Et comme il sied à l'histoire aussi, la cause et la conséquence sont démontrées. Elles peuvent être prises dans leur ensemble ou absorbées par une contemplation attentive, détail par détail, dans leur signification. La narration visuelle ne suit pas la convention de la
de la lecture du texte de gauche à droite. On peut supposer que l'ordre dépendait de l'emplacement du tombeau sur le mur droit de la chapelle afin que le spectateur suive une séquence en entrant dans l'espace. Verrocchio était très sensible à ce type de positionnement et à l'optique, aussi la façon dont le spectateur va voir et appréhender les choses. Rien n'indique cependant que la composition était destinée à faire entrer le spectateur dans la chapelle, et nous n'en savons rien de toute façon. La séquence a peut-être été moins importante dans la conception globale que la résonance et la réflexion face à l'ensemble. Le spectateur est placé de manière à voir ce que Giovanni se fait dire. C'est peut-être l'une des leçons que Verrocchio a apprises en examinant les modèles anciens dont il disposait, d'après les sarcophages romains, où la logique visuellement dramatique l'emporte sur ce qui est essentiellement un mode textuel de lecture de gauche à droite. Les sarcophages avec la mort de Mélagère présentaient des modèles directs et autoritaires de la mort, du désespoir et de l'hystérie en sculpture. Ici, un exemple que l'on trouve au Louvre. La sculpture de Verrocchio est également faite à l'antica, c'est-à-dire à l'ancienne, techniquement sculptée en haut relief presque tridimensionnel. Deux autres iconographies sous-tendent les variations de Verrocchio sur les thèmes de la naissance et de la mort, la lamentation du Christ et les scènes de naissance tirées des vies de Baptiste et de la Vierge. Les scènes de lamentation sont traditionnellement chargées de compassion avec des gestes d'amour. Ici, je vous montre ici des scènes mortuaires de donc Francesca en haut. Et puis la lamentation qui a été face à la dévastation silencieuse, la mise au tombeau et la lamentation, donc, ici, nous avons la juxtaposition de la dévastation silencieuse, cette femme recroquevillée et courbée dans la douleur, ici c'est la mise au tombeau, la femme recroquevillée courbée dans la douleur, dont le drapé chevauche légèrement le bord du relief de Tornabuoni, qui rend clairement hommage à cette femme située à l'extrême gauche de la crucifixion de Donatello et à la Madeleine effondrée au premier plan de la mise au tombeau. À Florence, les scènes de naissance des saints, comme la naissance tardive de Jean-Baptiste, du Baptiste, de la chapelle Tornabuoni, faisaient souvent référence à des pratiques de naissance réelles, des vraies mises en condition. Les servantes, les visiteuses, les jeunes, les plus âgés, le nourrisson dans les bras de la nourrice. Ce modèle offrait un contraste particulièrement poignant avec l'histoire de Francesca, cette triste histoire incarnée ici par les adaptations contrastées de la Ménade par Verrocchio et de la Nymphe par Ghirlandaio. Ici, vous les voyez ici, toutes les deux représentées, ces deux pôles qui expriment la formule du pathos de Warburg, ces archétypes de l'affect, d'un hystérique dans le deuil, et l'autre représentant la fertilité en mouvement gracieux, avait déjà été réanimé par Donatello, le premier d'ailleurs dans le contexte de la mort du Christ, dans les bas-reliefs de la Passion, et le second pour représenter l'abondance dans une statue aujourd'hui perdue qui se dressait jadis au sommet d'une colonne au centre de Florence. Pleinement conscient de ces prototypes et de leur pouvoir subjectif, Verrocchio a associé la jeune fille frénétique, arrachant ses cheveux dénoués à une matrone drapée, hurlant d'angoisse de l'autre côté du lit, les cadres vraiment parenthétiques au corps épuisé et déjà cadavérique de Francesca. Derrière elle, la sage-femme soulève tendrement son bras comme pour prendre son pouls.
Chaque détail donne un sens à ce moment. La mâchoire hagarde de Francesca, les mèches de ses cheveux autour de son visage et le long de son cou, la chemise de lin tombée de ses épaules qui s'accroche à son torse enfoncé. Le rendu de la mort de Verrocchio et l'accent mis sur son décès n'ont rien d'une formule. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas montré la césarienne post-mortem qui a suivi, bien que le médecin soit au centre du groupe entourant Giovanni. Au lieu de cela, le bébé emmailloté repose sur les genoux de la nourrice, dont le corsage reste noué, car le bébé ne têtera jamais son sein. L'horrible ironie de la mortalité se manifeste dans la juxtaposition du corps frêle de Francesca, s'affaissant dans la mort, et la robuste vieille femme recroquevillée en deuil au-dessous d'elle, sans visage et presque entièrement couverte. Verrocchio a exprimé ici l'âge de cette femme, ne serait-ce que par des signes, par exemple sur son poignet ridé ou son pied abîmé. Elle est la figure de la désolation. Dans la partie opposée, Giovanni est représenté les mains levées au-dessus de son cœur, tandis que la sage-femme s'avance vers lui en lui tendant avec précaution son pathétique fardeau, le nourrisson mort reposant sur un coussin. Tout comme la sage-femme, le médecin, identifiable par sa tenue de médecin, semble expliquer le cours des événements au père tristement attentif. Un manche de rasoir ou un scalpel se trouve dans sa main droite, rappelant l'extraction sanglante qu'il a été appelé à effectuer. Le jeune homme bien habillé à la gauche et l'homme le plus jeune derrière lui ne représentent pas les deux fils de Giovanni en réalité, car son fils légitime, Lorenzo, n'avait que 9 ans lorsque sa mère est morte. Son fils illégitime, qui était un membre reconnu de la famille, était plus âgé, mais il est peu probable qu'il ait été placé au premier plan. La père pourrait représenter une projection de l'espoir de Giovanni que la lignée survive grâce à ces hommes. Si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, comme les jeunes femmes, également bien habillées à droite, ils encadrent l'épisode central en tant que exemple comportemental à avoir, la décence, cette réaction réfléchie face au cours douloureux que peut prendre la vie. Ces personnages sont habillés de façon contemporaine de la tête aux pieds. Directement derrière Giovanni, cependant, nous trouvons un anachronisme, un homme en toge, avec un bras étendu, posé sur le dos de Giovanni. Ce personnage grave et mûr est le pendant ou le contrepoids sobre de la jeune fille hystérique à l'autre extrémité du bas-relief. Elle, c'est le deuil débridé, hors de toute raison et de tout contrôle, et féminin. Le sien est l'acceptation stoïque. Elle est inconsolable, il offre la consolation. Le comportement de Giovanni témoigne d'une maîtrise masculine de soi et d'un chagrin modéré. Et comme un alter ego, l'homme en costume romain, près de l'épaule de Giovanni, confère à ce comportement une autorité philosophique et une force morale. La modération s'oppose à l'excès mélancolique. Il existe une deuxième présence un petit peu atypique mais significative, ou anachronique. L'homme barbu, dont le visage est visible entre la sage-femme et le médecin. Avec son béret d'érudit et son vêtement à col ouvert, il ressemble à la manière dont Galien de Pergame, le médecin du second siècle, était représenté dans les traités médicaux. Les travaux de Galien constitue la base du cursus médical et son nom était synonyme d'autorité médicale. Comme l'homme, tout près de l'épaule de Giovanni, sa présence en tant que troisième membre d'un trio médical peut être considérée comme une consolation supplémentaire. C'est la garantie que tout est possible et a été fait pour la mère et l'enfant au plus haut niveau. Une consolation froide peut-être, mais une consolation quand même. La composition représente l'éventail et la ponctuation, la situation sociale du deuil en les mettant en balance les uns avec les autres. La morale de l'histoire réside dans l'attitude de Giovanni face à ce qui s'est passé et dans son désir de s'en souvenir. Son récit efficace et affectif dépend de la capacité de Verrocchio à traduire l'émotion brute en une forme durable. Il s'agit d'un processus qui impliquait à la fois le mécène et l'artiste dès la conception, très probablement discuté et approuvé d'après un modèle réalisé en terre cuite ou en argile, semblable à celui que
Verrocchio avait réalisé pour le monument au cardinal Niccolò Forteghieri prévu pour la cathédrale de Pistoia. La terre cuite se trouve aujourd'hui au Victoria et Albert Museum de Londres. C'est une base de discussion qui, une fois approuvée, pouvait être confiée à un assistant de confiance comme Francesco Di Simone pour l'exécuter, comme ce fut le cas pour les sculptures de Forteghieri. Pourtant, par exemple, regardez le bras exposé de cette femme échevelée au bout du lit de Francesca, s'arrachant les cheveux, la bouche ouverte et hurlant, et qui prouve que l'on a veillé à garantir que la qualité du travail soit présente et à maintenir une certaine logique dans la représentation. La saillie du coude et la chute de la manche sont des signes distinctifs de la maîtrise et de la réalité physique de la part de Verrocchio, sa capacité à la déployer de manière dramatique. La façon dont les draperies désignent les vêtements, décrivent le comportement et servent la conception est également caractéristique. Une génération sépare les coudes de cette femme de ceux du prisonnier de Michel-Ange au Louvre. Les circonstances de leur création sont également différentes. Toutes deux étaient destinées à des tombes à Rome. Pour le reste, ils diffèrent catégoriquement à bien des égards, type de sculpture, technique et échelle, entre autres. Sur le plan conceptuel, le bas-relief est expose et la statue, elle, est une métaphore. L'histoire de l'art a eu tendance à réduire l'un à des questions d'attribution et à promouvoir l'autre pour faire l'apogée de l'art de Michel-Ange. En général, elle les a placés sur un chemin de l'évolution, mais parallèle à la distance, finalement, qui existe entre le singe et l'homme. Est-ce tout à fait juste? Non seulement l'histoire néglige les nuances qui sont présentes dans l'œuvre de Verrocchio, mais elle oublie que le bas-relief de Tornabuoni est un produit de la culture de la Florence de Laurent de Médicis, qui était l'environnement même qui a favorisé Michel-Ange. Leur carrière ne se chevauche pas. Michel-Ange n'a que 13 ans lorsque Verrocchio meurt à Venise en 1488, mais leurs expériences se sont croisées. Ils avaient des connaissances mutuelles, des influences artistiques communes, ils avaient tous les deux beaucoup admiré Donatello. Plus important encore, ces deux personnages très différents se sont attelés à leur tâche funéraire unique en étant prêts à explorer et à exprimer des états émotionnels complexes, voire contradictoires. Inventifs et audacieusement imaginatifs, ils étaient à part égale et à niveau égal pour démontrer que leur art pouvait faire bien plus que juste mimer de manière apathique la mélancolie de la mort. Merci. Eh bien, nous avons pu entendre une magnifique conférence donc, de Patricia Rubin qui nous a bien replongé dans l'œuvre de Michel-Ange, dans le milieu romain, dans toute cette expression des émotions et des passions. Et nous allons maintenant rester à Rome avec la conférence de Kathleen Vren-Christian, qui est professeure à l'université Humboldt de Berlin. Ces thèmes de recherche sont liés, bien sûr, à nos sujets. Il s'agit de la réception de l'Antiquité à la Renaissance, des collections d'antiques et des commanditaires dans la Rome de la Renaissance. Également, elle s'intéresse à une histoire plus globale de l'art au début de la période moderne. Elle a publié de nombreux ouvrages sur les liens entre l'Antiquité classique et la Renaissance, comme par exemple en 2010 « Empire Without End, Antiquities Collection in Renaissance Rome », « L'Empire sans fin, les collections d'antiques dans la Rome de la Renaissance, 1350-1527 ». Elle est également l'une des éditrices des volumes publiés par l'Institut Warburg à Londres sur je traduis directement en français les titres, « Les muses et leur vie posthume dans l'Europe post-classique ». Et également, parmi ses attributions, elle est maintenant la directrice d'un projet très important qui est le « Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance », le recensement des œuvres d'art et des architectures antiques connues à la Renaissance, qui est un superbe projet interdisciplinaire centré sur la tradition classique, avec un accent particulier mis sur la Renaissance, qui est la constitution d'une base de données qui enregistre les œuvres antiques connues à la Renaissance, liées à des documents sous forme de textes et d'images. Et donc,
Kathleen Vren-Christian va maintenant nous ramener à Rome autour des collections et du milieu social et culturel du banquier Jacopo Galli. On va reparler du Bacchus de Michel-Ange et de ce quartier, de l'un des 22 quartiers de Rome, le Rione Parione, dans lequel se situait la demeure de Jacopo Galli. Voilà. One day in the late 1880s in Rome, fin des années 80, à Rome, 1880, un photographe a capturé cette image sur la piazza devant le palais connu aujourd'hui sous le nom de Palazzo della Cancelleria. À gauche, nous voyons l'imposante façade en marbre de la Cancelleria et à l'arrière-plan, une maison de 3 étages avec une rangée de boutiques au rez-de-chaussée et une large entrée. Cette image évoque le calme, la tranquillité sur une place vide, suspendue entre le passé et l'avenir de Rome, à l'époque du cheval de la calèche, saisie juste avant l'arrivée d'une ère nouvelle, moderne. Et la modernité allait en effet bientôt perturber la tranquillité de cette scène. Cette rue, au nord de la Cancelleria, c'est la Via dei Lautari. Elle était sur le point de devenir l'une des victimes sacrifiées pour tracer le Corso Vittorio Emanuele II, actuellement l'une des rues les plus fréquentées de Rome. Ce qui était auparavant un cul-de-sac a été dégagé pour faire place à une nouvelle artère qui continue à déverser son bruit et sa circulation sur la Piazza della Cancelleria. La maison que l'on voit à l'arrière-plan de la photographie, la maison de Jacopo Galli, un noble marchand, banquier, romain, ami proche et initiateur déterminant de la carrière de Michel-Ange. Cette maison devait bientôt être démolie. En entrant dans cette maison du XVIe siècle, on découvrait une cour s'ouvrant sur un jardin où pendant près de 7 décennies, la famille Galli a exposé le Bacchus de Michel-Ange, une statue qui se trouve aujourd'hui au musée Bargello de Florence. Dans le jardin, les visiteurs auraient pu voir le Bacchus avec ses vestiges d'antiquité autour. À l'intérieur de la maison elle-même, ils auraient pu voir le Cupidon de Michel-Ange, une statue identifiée de manière convaincante par Kathleen Vale Garis Brandt à ce personnage à New York, également exposé à côté de sculptures antiques. La maison disparue de Jacopo Galli était en son temps l'un des coins les plus animés du quartier romain, connu sous le nom de Rione Parione. Michel-Ange avait des liens très étroits avec Galli et avec le Rione, et c'est essentiellement dans ce quartier qu'il a lancé sa carrière d'artiste et d'intellectuel. Ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que cet environnement, la maison des Galli, était un cadre dans lequel on pouvait, pendant plus de 7 décennies, contempler 2 sculptures de Michel-Ange, conçues en concurrence avec l'original et exposées à son côté. Cet environnement et l'atmosphère antique ou antiquaire du Rione Parione ont été les fondamentaux pour l'art de Michel-Ange, mais sont encore éclipsés par le souvenir du jardin de sculpture de Lorenzo da Medici à Florence. Il est vrai que Michel-Ange revenait de Florence quand il a conçu le Bacchus et le Cupidon et que les figures de Michel-Ange sont encore imaginées à juste titre, à Florence, dans l'environnement artistique et littéraire qu'il a connu. Je suis convaincue, par exemple, par l'accent mis par feu James Draper et Francesco Cagliotti sur l'importance des petites statuettes en bronze de Bertoldo da Giovanni dans le début de la carrière romaine de Michel-Ange. Bertoldo, élève de Donatello, aurait été professeur en résidence dans le jardin de sculpture de Laurent de Médicis et il était certainement influent pour le jeune Michel-Ange de 21 ans lorsqu'en 1496, l'artiste arrive à Rome. Le petit Orphée en bronze de Bertoldo, conçu en ronde bosse, adopte une pose serpentine alors qu'il s'élance vers le haut, attiré par la musique spirituelle des cieux. Ce sentiment d'aspiration au divin, au céleste, est présent dans le Cupidon de Michel-Ange, réalisé pour Jacopo Galli, comme vous pouvez le voir dans le dessin du XVIe siècle du Cupidon de Michel-Ange à droite. La main était à l'origine croisée sur le corps, comme celle de l'Orphée de Bertoldo. Un esprit similaire est également présent dans le Bacchus. Comme pour les antiquités de Rome, le Bacchus doit sa forme, son sujet, sa composition d'ensemble à Bertoldo et à l'art de la statuette en bronze de petite taille, une forme éminemment antique qui, libérée des contraintes habituelles de la fonction, se complaisait dans son propre art, dans la recherche des réalisations techniques les plus audacieuses et dans les possibilités fascinantes de la sculpture en ronde-bosse.
Mais aujourd'hui, je m'intéresse pas seulement à la création du Bacchus ni à ses sources d'inspiration florentines, mais aussi à son cadre romain et la réception de la statue dans le cercle de Galli et le contexte des pratiques antiques typiquement romaines de Parione. Dans ce contexte, le Bacchus de Michel-Ange était, comme le rappelle le thème de l'exposition du Louvre, une œuvre d'art qui touchait l'âme et l'esprit. Comme on le sait, de nombreux mystères entourent encore les circonstances de l'apparition de Bacchus dans le jardin Galli. Je fais référence au fait que moins de dix ans après que le cardinal Riario ait commandé et payé le Bacchus, la statue était la propriété de Galli, était exposée dans leur maison. Nombreux affirment aujourd'hui que le Bacchus est entré en possession des Galli parce que Riario n'aimait pas ce personnage et l'a refusé. Je trouve un scénario hautement improbable, mais je laisserai cette question complexe de côté pour l'instant pour me concentrer sur ce que je crois que nous savons. Que le Bacchus devait déjà être exposé dans la maison de Jacopo Galli quelque temps avant la mort de Galli en juin 1505. La première mention de l'exposition du Bacchus chez les Galli apparaît dans un livre imprimé 9 mois après la mort de Galli par un proche de Galli et du cardinal Riario, Raffaele Maffei. Dans les commentaires urbains encyclopédiques qu'il a publiés en mars 1506, Maffei fait référence au Bacchus plutôt profane, mais néanmoins astucieux, dans, je cite, « l'atrium de la maison de Jacopo Galli ». Fin de citation. Dans sa description, Maffei ne désigne pas son ami et confrère scripteur apostolique comme « le défunt Jacopo Galli », ce qu'il aurait certainement fait s'il avait écrit ces mots après la mort de Galli. Cela signifie donc que le Bacchus a dû appartenir à Jacopo Galli du vivant de ce dernier. Et pendant près de 7 décennies, la maison Galli servira de vitrine au talent de Michel-Ange et plus particulièrement cette comparaison entre l'œuvre de Michel-Ange et le modèle antique. Le Bacchus et le Cupidon étaient visibles au cœur du Parione, un quartier proche de l'université, célèbre pour ses imprimeries, ses collections d'antiquités et ses cercles de littérature et d'antiquités. La maison des Galli et le Rione Parione représentent des environnements de grande importance pour Michel-Ange. En effet, Jacopo Galli et ses fils étaient tellement importants pour Michel-Ange que dans les années 1550, alors que le Bacchus était encore exposé dans la maison des Galli, l'élève de l'artiste et biographe de confiance Asciano Condivi s'est efforcé de souligner le génie de Jacopo Galli ainsi que l'amitié de Michel-Ange avec la famille Galli, Galli lui-même et ses fils. Dans sa biographie, Condivi inclut une histoire improbable qui attribue à Galli la découverte des talents de Michel-Ange à Florence et son transfert à Rome. Et Condivi irait même jusqu'à affirmer, faussement, que c'est Galli et non pas le cardinal Riario qui a commandé le Bacchus. L'importance de Jacopo Galli et son cercle intellectuel dans la carrière de Michel-Ange est soulignée pour la première fois par Edgar Wind dans son brillant essai de 1958 sur le Bacchus, puis par Phyllis Bober qui a vu dans le jardin d'antiquité de Galli le prédécesseur des plus célèbres jardins de sculptures romains et des sociétés littéraires d'Angelo Colocci et Johannes Goritz. Croyant l'histoire de Condivi selon laquelle Galli avait commandé le Bacchus, ils considéraient tous deux Galli comme l'esprit intellectuel qui avait guidé l'invention de Michel-Ange. Depuis lors, de nombreux autres travaux ont été réalisés sur les Galli. Les recherches menées par Baldini, Piras et Lodico pour l'exposition Giovinezza di Michelangelo de 1999 ainsi que pour d'autres publications ont révélé de nombreux détails sur Galli, son rôle dans la carrière de Michel-Ange. Les énormes ressources des archives de la banque Galli Balducci étudiées par Simonetta Valtieri et Enzo Bontivoglio, par Michael Hirsch et plus récemment par Eugenio Losardo et Maria Antonietta Quesada continuent à produire d'importantes découvertes sur Jacopo Galli. Parallèlement, la recherche sur la Rome de la Renaissance est elle-même considérablement développée. Il en résulte une meilleure compréhension de la culture des Antiquités, si vivante à Rome, peuplée d'une foule internationale d'humanistes et de nobles locaux comme les Galli. Il reste cependant encore beaucoup à faire et beaucoup à découvrir dans les archives, plus particulièrement dans les dossiers bancaires des Galli Balducci. Pendant les années où Michel-Ange était étroitement associé à Galli, entre 1496 et la mort de Galli en 1505, ces registres
retrace les affaires quotidiennes de Galie, ses achats de tissus, de chevaux, de vin, de céréales et ses nombreuses transactions commerciales à Parione. Tout au long de sa vie, Galie a été le bras droit du cardinal Riario. Un contemporain l'appelait le gouverneur des affaires de Riario. Lorsque Michel-Ange entre au service de Riario en 1496, c'est Galie qui assiste l'artiste, l'accueillant probablement dans sa maison pendant qu'il sculpte le Bacchus. Leur relation s'approfondit et à la suite de cette commande, Galie assume le rôle de promoteur de Michel-Ange, s'occupant de ses affaires financières en qualité de banquier et promouvant sa carrière commande après commande. Pendant des décennies, Jacopo Galie et ses fils ont défendu Michel-Ange, contribuant grandement à l'ascension du jeune artiste vers la gloire. Quelques mois après avoir terminé le Bacchus, Michel-Ange reçoit la commande d'un cardinal français pour la Pietà et Jacopo Galie sert de garant financier dans ce contrat, signant personnellement une clause qui promet que la statue serait, je cite, « la plus belle œuvre en marbre de Rome aujourd'hui ». Cette clause semble être un écho à la compétition avec la compétition avec l'original mis en scène par la création de du Bacchus, comme si l'exposition universelle confirmait la promesse d'excellence signée par Galie et Michel-Ange dans le contrat. À un moment donné, Jacopo Galie devient le mécène de Michel-Ange et l'artiste réalise pour lui un Cupidon présenté ici à l'exposition. Après le départ de Rome du cardinal Riario à la fin de 1499, Galie et d'autres agents du cardinal, au nom de Riario, commandent à Michel-Ange un retable destiné à la chapelle funéraire de Giavello da Viterbo, évêque de Crotone, à Sant'Agostino. Ce retable, que Michel-Ange abandonnera par la suite, est souvent associé, sans doute à tort, à la mise au tombeau de Londres de Michel-Ange. Au cours de l'été 1501, Galie a aidé Michel-Ange en tant que garant de contrat portant sur plusieurs sculptures en marbre de Carrare pour le retable du cardinal Piccolomini dans la cathédrale de Sienne. Et lorsque Michel-Ange est parti pour Florence, cette année-là, il laisse plusieurs blocs de marbre de Carrare en dépôt chez Jacopo Galie. À la fin de l'année 1503 et au début de 1504, Michel-Ange est payé pour la Madone de Bruges par un important client de la banque Galibalducci, la famille flamande de commerçants en tissu de Mouscron, dont le patronage était probablement assuré par les liens de Michel-Ange avec Galie. Les paiements sont effectués par la banque Galie, la statue est transportée à Bruges avec l'aide des Fazzi, les partenaires financiers florentins des Galibalducci. En 1506, après la mort de Jacopo, les fils de ce dernier, Paolo et Giuliano Galli, ont demandé à Michel-Ange de peindre un retable sur tissu pour leur usage et pour celui du cardinal Riario lorsqu'ils ont suivi ce dernier à Bologne pour l'entourage du pape Jules II. Plus tard dans la carrière de Michel-Ange, ce sont probablement les liens étroits de l'artiste avec les Galli qui lui ont valu une importante commande des Porcari, une autre famille noble romaine apparentée aux Galli, qui ont commandé à Michel-Ange le Christ Rédempteur et Santa Maria sopra Minerva. Ainsi, la maison de Jacopo Galie et de ses fils dans le Rione Parione devient le lieu où s'épanouit le début de la carrière de Michel-Ange. La maison Galie a longtemps été une vitrine de son art, la garantie de la capacité de l'artiste à surpasser l'original, même parfois une zone de stockage pour sa réserve de marbre. Tout ceci s'est déroulé dans le contexte du réaménagement du quartier de Galie et, il ne faut pas l'oublier, à l'ombre de la construction de l'imposant palais de l'église de San Lorenzo par le cardinal Riario. Quand Michel-Ange arrive à Rome, l'entreprise bancaire Galie est liée de longue date à Riario, étant donné le rôle de ce dernier en tant que trésorier de l'église et cardinal protecteur de San Lorenzo où la famille Galie possède une chapelle. Après avoir hérité de l'entreprise bancaire Galie de son père, Jacopo s'associe avec un Florentin, Baldassare Balducci, reliant ainsi la famille Galie à la communauté florentine de Rome et sûrement un aspect important de l'alliance ultérieure de Galie avec Michel-Ange. En 1489, Galie et Balducci louent des locaux d'une banque sur la Piazza San Lorenzo donnant sur l'énorme chantier de Riario. Riario et Galie deviennent partenaires
mère dans l'effort de reconstruction de San Lorenzo et de ses environs. Riario confie à la banque Galli Balducci la gestion d'un énorme compte, le Conto della Fabbrica, qui au fil des décennies devient la source des paiements pour la construction du palais, l'église, pour la pierre, la brique, les soulteurs, le calque, le travertin pillé du Colisée ou les anciennes colonnes de granit des thermes de Clécien. Entre 499 et 1503, lorsque Riario est absent de Rome, Galli est l'un des principaux responsables des travaux de l'église monumentale et du palais. En l'absence de Riario, le Conto della Fabbrica détaille la construction du nouveau cortile ainsi que la nouvelle basilique de San Lorenzo. En 1491, Jacopo Galli habite en face de l'église, qu'on voit ici, et en même temps que la reconstruction de San Lorenzo, il devient promoteur de son propre pâté de maison au nord de celui de Riario, acquérant une rangée de boutiques et une succession de maisons louées tout le long de la Via dei Leutari, la rue des Luthiers. La rue qui flanque l'église de Riario au nord a été capturée sur cette photographie alors qu'elle est démolie pour faire place au Corso Vittorio. D'un côté se trouvaient les magasins, les maisons qui appartenaient à Galli, dont certains étaient loués aux parents et aux proches du cardinal Riario. Sur la gauche se trouve l'église de San Lorenzo, ainsi qu'une entrée latérale de l'église qui relie directement le palais de Jacopo Galli avec une chapelle de la famille Galli nouvellement construite à l'intérieur. Au bout se trouvent les écuries à deux étages du palais de Riario que le cardinal avait commencé à construire en 1497 au moment où Michel-Ange terminait ses travaux sur le Bacchus. Ces écuries ont également été démolies pour la construction de Corso Vittorio. En 1497 également, Jacopo Galli entreprend une rénovation à grande échelle de sa maison, comme nous l'apprenons des comtes Galli Balducci, en faisant appel à une grande équipe de peintres, de charpentiers, de tailleurs de pierre, dont certains sont les mêmes ouvriers que Riario employait à San Lorenzo. En septembre 1497, après l'achèvement du Bacchus, Riario et Jacopo Galli ont partagé le coût d'un nouveau pavé pour la rue des Luthiers dans un effort pour rectifier la trajectoire de la rue et la définir comme une enclave Riario Galli. La rue des Luthiers va vers le nord en direction de la Piazza di Parione où se trouvait le palais du cardinal Carafa, la statue du Pasquino que l'on voit sur la carte ici avec un point rouge, et la Via Papalis, la plus importante rue processionnelle de Rome. Dans les mois précédant sa mort, Jacopo Galli réalise ce qui devait être une ambition de longue date, à savoir l'achat d'un grand palais sur la prestigieuse Via Papalis et sur la Piazza di Parione, en face du palais du cardinal Carafa et de la statue du Pasquino. Quand Jacopo Galli était le promoteur de Michel-Ange, il n'était pas seulement un banquier, un agent de la reconstruction de Parione, mais aussi le chef d'une ambitieuse famille noble qui avait un pâté de maison entier dont la taille pouvait rivaliser avec les enceintes des barons de Rome. Finalement, au cours du XVIe siècle, presque toutes les propriétés acquises par Galli ont échappé aux mains de ses héritiers alors que la famille connaissait un déclin rapide. Le sac de Rome, en 1527, a dévasté cette partie de Rome, causant de nombreuses pertes humaines et matériel et des dommages importants à la maison de Jacopo Galli. Le sac ou pillage avait déjà ravagé le Rione Parione lorsque l'artiste néerlandais Martin van Heemskerk a dessiné cette vue du jardin de Galli. Étant donné le niveau de calamité et dévastation causée par le sac, c'est peut-être pour ça que la main, la coupe de Bacchus ont été accidentellement ou délibérément brisées. Pourtant, bien avant que van Heemskerk ne dessine cette vue, alors que Jacopo Galli exposait le Bacchus dans sa maison, le jardin était certainement un paradis pour Galli et ses amis antiquaires. En effet, Galli n'était pas seulement un banquier, marchand, mais il était poète, humaniste, bibliophile, collectionneur d'antiquités et un ami proche de certaines des plus grandes figures littéraires de l'époque de Rome. À cette époque-là, en d'autres termes, une ombre romaine moins importante et moins puissante du faux mentor florentin de Michel-Ange, Laurent de Médicis. Ses intérêts culturels étaient vastes. Si le cardinal Riario a longtemps été célébré comme un grand mécène du théâtre, les contes Galli Balducci nous apprennent que Galli
est également un mécène des comédies à l'antica, à l'ancienne. Les registres bancaires de 1505 notent que pendant la saison du carnaval, Galli a payé la tavola per la commedia, a payé également un maître anonyme pour dépeindre la comédie, pour vraisemblablement peindre une toile de fond qui servira de décor à la comédie des Galli. La représentation de Galli a peut-être été mise en scène dans sa vigne à l'extérieur du Castel Sant'Angelo, un site décrit comme un lieu de rassemblement pour les érudits dans l'éloge de la philosophie de Jacopo Sadoleto, une œuvre en deux parties composée après la mort de Galli. Une première partie, Phèdre, entre 1513 et 1523, et la deuxième partie, L'Hortense, vers 1535. Wind et Bauber ont été les premiers à analyser ce dialogue sur les réunions académiques dans la vigne suburbaine de Galli et l'aperçu qu'ils offrent de la vie intellectuelle de Jacopo Galli. Sadoleto écrit, je cite, « Dans sa première jeunesse, Jacopo Galli était consacré entièrement à la philosophie, puis était revenu après un long intervalle. Vos amis ne considèrent rien de plus accessible pour eux que votre personne, votre maison, votre assistance, votre grâce, votre bourse, votre autorité. Parmi ces honorables invités et amis figurent Pietro Bembo, Camillo Porcari et Blasio Palladio, qui aurait assisté à des réunions quotidiennes chez Jacopo Galli. Parmi les autres membres du cercle de Galli, on va trouver l'orateur-acteur Tommaso Phèdro Inghirami, Francesco Cedrario et Sadoleto lui-même. Ce groupe s'intéressait vivement à la statuaire antique et à la poésie écrite sur la statuaire antique. Sadoleto est l'auteur d'un célèbre poème de Lacune, découvert en 1506. Lorsqu'il connaissait Jacopo Galli, il était familier du cardinal Carafa et comme le suggère de manière très plausible Maddalena Spagnolo, Sadoleto est également probablement un des agents clés de l'invention du festival littéraire de Carafa, le Pasquino, le concours de poésie sur et dans la voix de la figure antique fragmentée qui avait lieu chaque année sur la Piazza Parione, juste en face de la maison des Galli. Une autre personnalité du cercle de Galli était le célèbre poète vénitien, antiquaire et futur cardinal, Pietro Bembo, dont l'amitié très étroite avec Galli est confirmée par des lettres. Écrivant à Sadoleto en mars 1503, Bembo révèle qu'il avait prêté à son ami Galli une première ébauche de son recueil de dialogue, Gli Azzolani, signe certain de l'estime que Bembo portait au talent de Galli en tant que poète et critique littéraire. Après la mort de Jacopo Galli, Bembo pleure la disparition de son ami dans son épitaphe pour Gallus, où il décrit Galli comme l'hôte le plus agréable des muses et de Phèbes, qui avait reçu la couronne de laurier des poètes des muses elles-mêmes. En 1502, peu après son séjour à Rome, dans le cercle de Galli, Pietro Bembo compose un texte sur le thème de ses propres manuscrits de Virgile et Terence, qu'il a écrit en hommage au cercle d'antiquaires qu'il avait connu à Rome. Ce texte est un dialogue imaginaire entre deux humanistes d'une génération antérieure, le vénitien Ermolao Barbaro et son professeur Giulio Pomponio Leto. Ce dialogue se déroule dans un jardin antique de Barbaro, près de Minerve, un lieu imaginaire, sans doute inspiré par la propre expérience de Bembo des jardins de sculpture comme celui de Galli. Dans le dialogue de Bembo, Pomponio Leto rend visite à Barbaro et le trouve en contemplation de la statue de marbre d'un homme, je cite, « couché sur le sol de manière désinvolte et indécente, sans tête, sans pied et même sans main, mais avec le bras gauche replié dans un vêtement ». Fin de citation. C'est peut-être pas un hasard si une statue du jardin Galli dessinée par Van Heemskerk rappelle cette description. Dans le dialogue de Bembo, Leto et Barbaro réfléchissent au triste sort des monuments et des statues antiques de Rome. Ils comparent leurs ruines à la perte tragique des œuvres littéraires. Ils s'attardent sur certains des thèmes les plus constants de l'humanisme romain, réfléchissant aux statues antiques qui étaient autrefois, je cite, une autre population dans la pierre, mais qui sont maintenant en ruines, près de la ville de Rome, autrefois glorieuse,
et qui ne sont plus qu'un cadavre. Le Panthéon, l'obélisque du Vatican et d'autres monuments qui sont des trésors anciens, malheureusement cachés et obscurcis par un fouillis de magasins et de marchés modernes, de la même manière, des hommes ignorants ont permis que la beauté des textes anciens soit obscurcie et souillée par des accrétions modernes. Ils examinent des exemples de corruption, d'attribution erronée, qui ont résulté de l'incapacité à distinguer l'ancien du moderne en se référant à des exemples visuels et textuels. Il ne peut y avoir d'expression plus éloquente de la culture antiquaire de Rome qui a dû accueillir avec enthousiasme Michel-Ange et son art. Considérer le Bacchus comme un sujet de conversation idéal. Les hommes de lettres de Rome se caractérisaient par leur profond intérêt pour les découvertes archéologiques, les collections d'antiquités, l'art de l'imitation et l'art de distinguer l'antique du moderne. Le jardin des Galli aurait constitué une sorte de microcosme du paysage romain, offrant un havre de paix pour réfléchir aux thèmes qui leur étaient chers. La familiarité de Bembo avec cette culture, avec la maison des Galli, semble se refléter dans un passage qu'il figure dans le Prose della Lingua, la Volgar Lingua, les proses de la langue vulgaire, un dialogue qu'il a écrit en 1525. Bembo y décrit Rome comme un lieu où de nombreux artistes venus de près ou de loin s'efforcent d'enregistrer ces belles figures antiques de marbre ou même de bronze éparpillées ici et là. Ceux qui ont le mieux réussi dans cette tâche, conclut Bembo, sont Michel-Ange en sculpture et Raphaël en peinture. Ces artistes rivalisent entre eux, non pas tant par la valeur absolue de leur art que par leur proximité avec les anciens. Si on s'éloigne du groupe central de Galli, c'est-à-dire Bembo, Sadoleto, Ingirami, Porcari et Cedrario, on découvre qu'un certain nombre de groupes d'intellectuels et d'antiquaires de la même époque se retrouvent et se développent à Parione dans les premières décennies du Cinquecento, avant le sac de 1527, se réunissant dans des académies ou des sodalités, c'était des confréries romaines. Des sodalités plus ou moins bien organisées. Je ne les mentionnerai que brièvement afin de mieux contextualiser le cadre romain du Bacchus. Nous n'entendons pas parler de certaines d'entre elles de manière tangentielle comme un groupe qui s'appelait les Savoyens et qui se consacrait à la composition de la poésie latine et de comédie dans le style all'antica. Nous entendons parler par contre d'une autre société qui s'appelait Sodalitas Parionis, qui fut fondée par Pietro Matuzzi, dont le palais se trouvait près de la Piazza di Parione et des propriétés de Galli. Les statuts de cette sodalité subsistent et imposent à ses membres de se réunir chaque année après la mort de Pietro Matuzzi, le jour de sa mort, pour fêter la Patronalia avec une messe dans la chapelle de Matuzzi à San Lorenzo, puis un concours littéraire et un banquet. En annexe des statuts figure une liste d'environ 85 membres de sodalité, dont le fils et héritier de Jacopo Galli, le propriétaire du Bacchus et cubinon de Michel-Ange, Paolo Galli, ainsi que le petit-fils de Jacopo Galli le Jeune. D'autres voisins des Galli dans le Parione du vivant de Galli étaient des collectionneurs d'antiquités qui formaient des sociétés académiques. L'un d'eux était Angelo Colocci, l'antiquaire qui allait assumer l'ancien rôle de Pomponio Leto à la tête de l'Académie romaine. Si la collection d'antiquités et le lieu de rencontres littéraires les plus connus de Colocci se trouvaient près de l'Acqua Trevi, il vivait toute l'année dans le Rione Parione où il conservait une collection de sculptures et d'inscriptions antiques. Un autre résident de Parione à l'époque de Galli était Johannes Goritz de Luxembourg, le personnage qui allait fonder une autre société littéraire célèbre et un jardin d'antiquité près du Forum de Trajan. Enfin, j'évoquerai un autre groupe qui a débordé du cercle de Jacopo Galli, mais qui n'est connu que par un poème de Piero Valeriano intitulé « Le banquet de la sodalité, le jour des bacchanales ». Dans ce poème, Valeriano fait l'éloge d'un groupe de délicieux compagnons de la Piazza di Parione, parmi lesquels Angelo Colocci et d'autres lettrés. Le poème de Valeriano affirme que cela ne devrait pas avoir d'importance si les guerres éclatent en Italie ou à Rome, ou si Rome reste sans pape à cause de la guerre des cardinaux. Ses amis qui n'aiment pas la tristesse ont été consacrés aux muses fidèles d'Apollon et invités à aimer la paix, la joie, les plaisanteries et la musique. Va, écrit Valeriano, et convoque mes amis d'en haut sur la place de Parione.
J'ai décidé de consacrer un jour de l'année au plaisir, de l'aube au crépuscule. Nous devons agir comme des fous toute la journée. Ayons des guirlandes et prenons notre licence poétique. Que le vin nous fasse rire. Buvons. Fin de citation. Quel jour était ce jour annuel des bacchanales? Malheureusement, nous ne le savons pas. Ce qui est certain, c'est que le poème rappelle l'insouciance du Rione Parione avant le sac de 1527. Le jardin de Jacopo Galli, les sodalités académiques, poètes, acteurs, antiquaires, qui s'inspiraient de la musique d'Apollon et du vin de Bacchus. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Kathleen Wren-Christiansen pour cette belle conférence qui avait été préenregistrée, mais nous écoute de loin. Donc, je la remercie vivement pour une conférence qui a montré les rôles actifs que les statues antiques et modernes pouvaient jouer au milieu de cette société de comédiens, littérateurs, artistes et antiquaires réunis autour des collections d'antiquités dans la Rome du début du XVIe siècle. Et elle a montré aussi l'importance du milieu romain pour les débuts de la carrière de Michel-Ange. Ulrich Pfisterer, qui lui, il est en direct avec nous depuis Munich, je crois, maintenant va nous parler d'une autre forme d'agencivité, si on peut dire ainsi, des sculptures dans les studioli des humanistes de la Renaissance. Avant de l'inviter à nous rejoindre par Skype, je le présente rapidement, je le vois déjà. Bonjour Ulrich Pfisterer. Ulrich Pfisterer enseigne l'histoire de l'art à l'Université de Munich, historien de l'art brillant et particulièrement actif. Il a publié sur de nombreux sujets, notamment sur Donatello, la théorie et la littérature artistique dans l'Italie de la Renaissance, les usages sociaux des médailles de la Renaissance italienne, sujet très important, la chapelle Sistine, ainsi que sur l'idée des birthing art, concept qui explore la relation entre la procréation érotique et biologique et la créativité artistique au début de l'époque moderne. Il était également à l'origine d'une édition des écrits d'Abbé Warburg et prépare actuellement un ouvrage sur la géographie et les échanges artistiques entre 1300 et 1650. Donc nous allons l'écouter pour sa conférence dont le titre est, vous le voyez, « Émotion dans les studiolo, inspiration et vertu des statuettes au XVe siècle ». Bonjour, merci. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du colloque. And the first slide, please. The next slide, please. Et je vais vous demander de passer la première diapositive. The Renaissance, the serious people. Les humanistes de la Renaissance étaient des gens sérieux. Leurs ateliers ou studioli, salles d'études, bibliothèques, étaient des lieux d'apprentissage, d'érudition, de travail acharné, de vertu et de recherche de la gloire. C'est du moins l'impression que l'on a en observant les représentations contemporaines des humanistes placées dans leurs ateliers. Par exemple, le frontispice avec l'image ici de l'auteur de l'histoire de Milan, de Bernardino Corio, datant de 1503, qui montre cet érudit dans ses plus beaux habits, travaillant à son bureau. Les inscriptions ne confirment pas seulement qu'il a surpassé les anciens historiens de Rome et que sa renommée posthume sera éternelle. Les deux inscriptions, les deux devises, l'engagent également à la vérité et à la vertu. Même le petit chien au premier plan obéit à cette idée. Son nom, Apat, fait référence à une caractéristique fondamentale de l'ancienne philosophie stoïcienne de la vie, l'apathie ou le désintéressement à l'égard de toutes les péripéties du destin. En d'autres termes, il semble que l'idéal humaniste repose sur la raison et la vertu, les émotions et les désirs momentanés étant entièrement contrôlés par celles-ci.
Il est toutefois irritant que ces qualités extrêmement importantes soient incarnées par le chien de salon, ce petit chien apathie. On peut se demander si apathie ou la sérénité ne pourrait pas également être utilisée dans ce cas. Le chien s'allonge paresseusement, ne se laisse pas déranger par qui que ce soit. Apathia serait alors également signifiée de manière ironique ici. Cette irritation, en fait, grandit encore lorsque, deux pages plus loin, on rencontre une autre gravure sur bois dans l'histoire de Milan, de Corio, qui promet maintenant la récompense du travail dans cet atelier, la vertu éternelle incarnée par des figures féminines à moitié nues et érotiquement attirantes. Cette étrange ambivalence entre la vertu, l'érudition, la renommée d'une part, les animaux, les émissions, les figures féminines érotiques d'autre part, se retrouve également dans les petites sculptures et statuettes en bronze qui étaient très certainement placées dans ces salles d'études et les bibliothèques des humanistes. On y trouve des statues représentant des hommes et des femmes vertueux, des actes héroïques et des symboles de la domestication des passions, ainsi que d'innombrables animaux, des scènes érotiques et des sujets généraux dont il est à première vue totalement impossible de comprendre ce qu'il pourrait avoir à voir avec la vertu et la gloire. Mon article va donc poser la question de la présence, la justification de ces sculptures et statuettes de petite taille en bronze, médailles, en criée, si différentes les unes des autres dans les salles d'études et les collections des humanistes. Comment expliquer leur présence? Quelles sont leurs significations, les fonctions de ces objets? Et comment ces sculptures à petite échelle doivent-elles être comprises dans le contexte des autres objets et du mobilier de ces pièces? Ce qui apparaît clairement, c'est que les émotions dans l'atelier jouent un rôle aussi important que la vertu, le travail et la renommée. Ma présentation s'articulera autour de deux chapitres, exigences et dangers de l'italien et plaisir et loisirs dans l'atelier. Tout d'abord, exigences et dangers dans l'atelier. On ne connaît que très peu de déclarations des 15e et 16e siècles sur la manière dont les sculptures, les petites statuettes étaient perçues et traitées dans un atelier. Dora Thornton a compilé la plupart d'entre elles dans son livre de 1998 intitulé « L'érudit dans son atelier, The Scholar in His Study ». Aucune source ne va au-delà de la description d'un objet individuel ou d'une liste d'objets dans un inventaire pour procéder à une analyse plus générale de la fonction de ces sculptures ou des exigences auxquelles elles étaient soumises. Pour certaines de ces sculptures et statuettes, il est évident qu'elles exhortent à la vertu, elles démontrent l'érudition, elles expriment l'espoir d'une gloire éternelle. Le deuxième livre, tout aussi brillant que le premier de Dora Thornton, coécrit avec Luke Sison, traite de ces « objets de vertu », entre guillemets. Mais dans cette publication aussi, tout est orienté vers la vertu, le rationnel et la gloire. Les émotions dans l'atelier et les autres fonctions possibles de ces objets ne jouent aucun rôle décisif. Il a déjà été souligné que les sculptures et les objets de l'atelier étaient conçus non seulement comme des ornements, mais aussi comme des déclencheurs, des points de départ pour initier une réflexion et une conversation. Le premier traité moderne sur la sculpture, de Sculptura, de Pomponius Corissus, commence ainsi. L'humaniste Raphaël Rigius rend visite à Corissus. Tous deux observent les sculptures dans la salle des images, comme Corissus appelle son atelier. Et à partir de là, sur le modèle des dialogues de Cicéron, la conversation sur la sculpture s'engage et se développe. Que de telles conversations puissent non seulement se développer autour d'objets individuels, mais que plusieurs objets soient regroupés et agencés de manière significative peut sembler évident. Mais cela n'a guère été démontré jusqu'à présent. Tous les arrangements originaux de l'atelier de la Renaissance ont été faits au fil du temps.
Pourtant, Ulysse Aldrovandi décrit une telle situation spatiale en 1556 dans son guide des Antiquités de Rome. Dans la maison du cardinal de Carpi, Aldrovandi visite plusieurs ateliers, plusieurs studioli et salles de collection. Dans la deuxième de ces pièces, entièrement tapissée de velours vert, il voit une mise en scène particulière. Je cite, « Sur la table de ce studiolo était également disposée une toile de velours vert et il y avait une statuette de faune et un portrait de Socrate en marbre, célèbre par sa rareté et son art. À côté de ces deux objets est placé un récipient en métal qui est décoré d'enfants dans la partie basse qui pêchent et font d'autres activités. Et c'est une chose très rare qui porte en plus une horloge ou un sablier à colonne ainsi qu'un anneau en or. Fin de citation. Tout d'abord, le vert est la couleur qui est censée calmer et exalter les sens de l'esprit. Cette notion très répandue a été notée par exemple par Fulvio Pellegrino dans son traité sur la signification des couleurs, publié pour la première fois en 1535. L'ensemble de la collection verte et de la salle d'études était donc destiné à amortir les tensions et les émotions. Le message central de la pièce, qui contenait d'autres sculptures et anciennes, est développé sur la table centrale. Le buste de Socrate, à côté de la statuette d'un faune, renvoie à l'idée que l'apparence de Socrate, rappelant ses créatures naturelles, contrastait fortement avec la beauté de son âme. La combinaison du buste antique, donc de Socrate, et de la statuette de faune, renvoie donc à la différence entre le corps et l'esprit. Comme le font les portraits des savants dans cette salle d'études, en contrastant leur apparence physique avec l'image de l'esprit telle qu'elle est transmise par leurs écrits. Le troisième objet sur la table est apparemment une ancienne cruche ou tasse en argent qui nous montre des pêcheurs de poissons et se divertissant de manière variée. Le récipient spécifique de ce genre-là n'est pas connu de nos jours. Un pendule moderne a été monté dessus. La combinaison comme ça d'enfants qui jouent et du temps qui s'écoule devait être perçue comme un memento mori, un rappel d'utiliser au mieux le temps de sa vie et de ne pas le gaspiller. Sur la table de la collection du cardinal de Carpi, la combinaison emblématique d'objets reflétait une vie remplie de vertus et d'esprit. Tout ceci ne semble que confirmer une fois de plus ce que je dis dans mon introduction. Les salles d'études et les bibliothèques des humanistes de l'époque étaient des lieux d'érudition, de travail, de vertu et de recherche de la gloire. Néanmoins, le sérieux de ces espaces, la rationalité, le travail, la vertu, étaient associés à un grand danger, la mélancolie. Lorsque les savants ne faisaient que travailler, ils pouvaient devenir mélancoliques, apathiques ou tomber malades. Les idées venaient à manquer, la production s'arrête. Ce danger était si grand qu'en 1489, Marsilio Ficino a publié dans son De Vita Libris Tre un traité à grand succès sur la façon dont un érudit doit se maintenir, c'est-à-dire corps et esprit, en bonne santé. De nombreux autres écrits que ce type ont suivi, par exemple en 1556, la même année que l'apparition du guide des Antiquités d'Aldrovandi, Filippo Capponi a publié un livre entier dans lequel il donne des conseils sur la manière d'accroître la créativité et sur ce qu'il faut faire pour se prémunir contre le blocage de l'écrivain, l'angoisse de la page blanche, dirait-on maintenant. Sur la base d'une enquête à laquelle ont participé Michel-Ange et Titien, entre autres. Ce qui n'a pas encore été suffisamment mis en évidence, c'est que l'ameublement de ces salles d'études, les salles aussi de travail et les bibliothèques des humanistes, ornées de peintures et de sculptures, pouvaient également servir à dissiper la mélancolie d'un savant. Les émotions dans l'atelier et la salle d'études ne devaient donc pas précisément être disciplinées et neutralisées, mais servaient plutôt à dissiper la mélancolie potentielle.
Deuxième chapitre, plaisir et récréation dans l'atelier. Les conseils les plus détaillés sur la façon d'éviter le danger de la mélancolie chez les érudits ont été fournis par Constanzo Landi en 1557 avec sa méthode pour se maintenir en bonne santé. Landi ne se contente pas de recommander des lectures légères de temps en temps, comme par exemple des poèmes d'amour de Pétrarque ou encore écouter de la musique. Il précise aussi, je le cite, « La joie et la distraction sont produites par la chasse, la pêche, l'observation des ruisseaux tumultueux, le chant des grillons, les prairies fleuries, l'observation des petits animaux, comme les abeilles ou les fourmis et autres, car l'esprit se plaît à reconnaître l'ordre et la discipline dans ces petits corps. La peinture et la sculpture contribuent également à donner du repos aux yeux. » Ainsi, Suétone rapporte que l'empereur Auguste appréciait particulièrement de regarder la précieuse vaisselle corinthienne. Fin de citation. Le passage de Landi fournit tous les éléments nécessaires à l'interprétation des sculptures, de l'étude des salles d'études des humanistes en termes de plaisir et de récréation. Comme cette scène de pêche telle que décrite par Alvovrandi sur le réceptacle antique servant de base au pendule ne servait pas seulement à prendre à faire écho au caractère éphémère de la vie. Au contraire, en fait, tout cela aurait également été mis en œuvre pour distraire les spectateurs, leur rappelant les moments de joie et de détente en les aidant à ne pas devenir mélancolique. Pour la même raison, Andrea Mantegna avait peint un tableau d'enfants dansant, aujourd'hui perdu, sur lequel était explicitement écrit « mélancolie ». Les idées médicales invoquées ici remontent à Hippocrate et Galien et étaient très répandues depuis la fin du Moyen Âge. Ainsi, la santé d'une personne était basée, ancrée, entre autres, sur 6 facteurs externes, non naturels, tout cela entre guillemets, tels que l'air, la nourriture, la boisson, l'exercice physique et sur l'équilibre des émotions. Pour cet état équilibré des émotions, la relaxation était déjà recommandée à la fin du Moyen Âge. La musique, le temps passé dans la nature, la littérature exaltante étaient considérés comme utiles. Et ce n'est toutefois qu'au XVe siècle que le fait de regarder des images, des représentations et de belles décorations semble avoir été ajouté à la liste de ces moments récréatifs. En fait, dans les 2 traités de santé les plus réussis du XVe siècle, rédigés par Benedetto Reguardanti et Ugo Benzi, on peut lire ce nouvel intérêt pour les émotions et les loisirs et l'étonnante gamme d'activités proposées. Et je cite, « Pour la préservation de la santé, nous devons nous efforcer résolument de trouver des plaisirs modérés et des consolations réjouissantes afin de vivre le plus possible dans une gaieté modérée. » Fin de citation. Et encore, je cite, « Il faut faire les efforts les plus diligents pour lui inculquer la vivacité et la bonne espérance. » Et pour faire passer ses pensées un jour à quelque chose de délicieux et de convenable, un autre jour à autre chose. Il peut s'agir de regarder diverses décorations, belles et divertissantes, d'écouter de la musique et des chansons, de lire quelque chose de ne pas trop difficile, comme un récit ou un autre ouvrage, et de se parfumer ou de choisir des vêtements pour de préparer les maisons, les jardins d'agrément et des domaines, ainsi que d'autres activités similaires. Fin de citation. Ces considérations ont été poursuivies sans interruption par les humanistes. Par exemple, lorsque Guarino da Verona, vers le milieu du XVe siècle, décrit de façon argumentée un encrier d'argile représentant des enfants grimpant à un arbre, il a là l'occasion de faire une démonstration rhétorique de l'ekphrasis. De plus, Guarino peut montrer qu'il connaît les critères anciens, on va dire pour imiter de manière convaincante des œuvres d'art qui semblent vivantes. Dans tout cela, cependant, le fait que la vue des jeux d'enfants et d'émotions enfantines exalte l'humeur du spectateur
joue toujours un rôle crucial. Le conseil médical basé sur le plaisir et la récréation comme antidote à la mélancolie semble avoir été appliqué directement ici. Je cite, « Il m'arrive souvent de ne pas pouvoir me passer du plaisir que je trouve à examiner les petites figurines et les visages vivants dans l'argile. Quand je regarde une bouche ouverte, je m'attends à ce qu'une voix sorte du muet. Quand je vois les poutis, les angelots suspendus à l'arbre, j'oublie qu'ils sont en terre et je crains qu'ils ne tombent et ne se blessent. Et puis je crie de pitié. » Comme l'enfance et les âmes changeantes font varier les sentiments de l'âme, vous voyez ici des expressions variées sur leur visage. L'un sourit, l'autre est un petit peu triste, celui-ci est insouciant, celui-là est méditatif. Et ici aussi, on trouve des postures impudiques en raison de l'insouciance même de l'enfance, car des parties du corps qui devraient être cachées par prudence naturelle sont ici impudemment exposées à la vue. Fin de citation. En poursuivant la liste des choses agréables de Landi de 1557, on y trouve aussi le chant des grillons et l'observation de petits animaux comme les abeilles ou les fourmis et autres comme antidote à la mélancolie. Un centre de table comme celui d'Andrea Riccio, anciennement à Berlin, montre un petit garçon grimpant à un arbre pour attraper un grillon, justement, ou une cigale. Mais tous les autres petits animaux de l'atelier de Riccio peuvent aussi être compris comme des distractions récréatives au sein de la salle d'études, au sens de Constanzo Landi. Enfin, Pline rapporte dans son Histoire naturelle que le peintre romain Antiphile représentait des idées amusantes sous forme de petits tableaux, les grilloi, pour se détendre. Ces inventions pleines d'esprit semblent également faire partie intégrante de l'équipement pictural des salles d'études. Mais Pline mentionne aussi une autre possibilité de détente. Le peintre Parasios s'était amusé pendant son temps libre à faire de petits tableaux, en particulier des scènes érotiques. Constanzo Landi souligne explicitement que le savant doit éviter tout ce qui est érotique. Mais il explique ensuite que nous sommes tous comme des casseroles, des faunes, des satyres, car notre esprit contrôle la moitié supérieure, enfin des réceptacles, plutôt que des casseroles, car notre esprit contrôle la moitié supérieure du corps, tandis que la moitié inférieure du corps est guidée par des pulsions et la luxure. Les innombrables statuettes avec des créatures de la nature semblent vouloir représenter exactement cette idée, d'autant que la relaxation par les fantasmes érotiques non seulement combat la mélancolie, mais l'inspiration érotique des muses était comprise comme un stimulus décisif pour la créativité et la production littéraire. Chez Bernardino Corio, pour revenir au point de départ de mes réflexions, la récompense d'une vie vertueuse peut donc apparaître sous la figure et les traits d'une femme érotisée ou d'une figure érotisée. Dans ce contexte, on ne saurait trop insister sur le fait que les considérations développées ici ne peuvent se fonder uniquement sur les guides de santé de l'époque. Il y avait aussi des voix explicites au XVIe siècle qui soulignaient précisément, non pas la vertu, l'esprit et l'érudition comme les seules récompenses des salles d'études, mais le plaisir, l'art et les effets utiles de la relaxation qui servaient à écarter les dangers de la mélancolie. Ces formulations n'ont pas encore reçu l'attention sérieuse qu'elles méritent. Ainsi, il convient de rappeler Girolamo Garimberto, le conseiller du cardinal Alessandro Farnese, qui recommandait au cardinal, je le cite, « Cela mettrait beaucoup en valeur vos camerini dans la chancellerie si vous faisiez une petite salle d'études avec tous vos petits objets tels que médailles, camées, encriers, pendules. » Ainsi, en rassemblant un ensemble de quelques pierres précieuses et d'objets d'une beauté et d'une richesse extraordinaire, vous feriez plaisir régulièrement et vous feriez plaisir aux autres à l'occasion, en plus de servir d'antidote à tous vos soucis. Fin de citation. L'objectif central de cette collection est de servir de remède à tous les soucis
par la variété et le plaisir. Les espoirs de Piero de Medici, Pierre de Médicis à Florence, allaient encore plus loin. Les sources du XVe siècle rapportent que le seigneur de la ville de Florence recherchait sa collection dans l'espoir de trouver un soulagement à sa goutte. Ainsi, l'effet réparateur de la collection ne devait pas se limiter à l'esprit, mais servir le corps tout entier. Alors, pour résumer, la vertu, l'érudition et la recherche de la gloire sont les facteurs centraux d'un monde, d'un mode de vie humaniste. Ces thèmes sont évoqués de manière diverse dans la décoration picturale des salles d'études, des bibliothèques et des collections des XVe et XVIe siècles. Cependant, l'importance accordée à l'esprit, à la volonté et à la maîtrise de soi s'accompagne d'un grand danger, celui de devenir mélancolique et improductif en raison d'un effort continu. C'est pourquoi, comme correctif, on fait délibérément appel à des moments de détente, de joie, d'expression de ses émotions. Les thèmes et les formes de cette détente sont résumés de façon très complète par Costanzo Landi en 1557, en référence à la peinture, à la sculpture. Il est clair que cela rend très bien compte du spectre étonnamment large de ces petites sculptures et statuettes de la Renaissance, des héros antiques et des actions vertueuses, aux petits animaux en passant par les compositions grotesco-comiques ainsi que les scènes érotiques. En conclusion, j'ai tenté ici de démontrer que les sculptures de petite taille, les statuettes de la Renaissance, ne peuvent être réellement comprises que si l'on prend également au sérieux les émotions du savant ou de l'artiste dans sa salle d'études. Merci beaucoup. Merci à Ulrich Pfisterer de nous avoir rappelé de manière aussi convaincante les fonctions variées de nos petites statues, nos petites sculptures qu'on voit aujourd'hui au sein du musée, dans les expositions, dans les musées, dans un contexte beaucoup plus abstrait. Rappelez qu'au sein de ces salles d'études, véritablement, ils avaient une fonction, ils étaient créés pour donner de l'émotion, pour éviter la mélancolie, pour permettre le délassement. Ça va être, nous avons écouté la dernière intervention de notre matinée, mais nous nous retrouvons cet après-midi à 15h avec quatre nouvelles conférences qui vont nous permettre d'avancer dans ce projet sur les émotions, justement, sur la manière dont les œuvres sont perçues et fonctionnent à la Renaissance. Nous aurons une conférence de Philippe Morel sur la figure de la ménade dansante, puis une présentation de Ludmilla Acone sur Il virtuoso esercizio, sur la danse et le pouvoir de l'imagination. Ensuite, une conférence de Anne Le Poitevin sur le Sacromonte de Varallo, donc ces grands théâtres de sculpture du nord de l'Italie. Et enfin, une présentation de Paola Ventrone intitulée « Foi et émotion » sur le rôle du spectacle et dans la Renaissance, en particulier au XVe siècle. Voilà, donc nous nous retrouvons à 15h. Merci.